Eh ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, logiquement vous m'entendez, oui, oui, je suis quasiment certain que vous m'entendez. Il est très tôt ce matin, pour moi il est très tôt, certainement pour vous aussi, en période de vacances, c'est chaud. Levé à genre 9h30, moi je me suis levé à 9h30, pour moi c'est très dur en période de vacances. Bref, la mise à jour est à 60% pour moi, de toute façon les serveurs n'ouvrent pas avant midi je pense. Et on a déjà plein de nouvelles, on a déjà plein de choses sur quoi parler. Vous êtes déjà nombreux, merci à vous. N'hésitez pas à like le live. Pendant tout le live, n'hésitez pas à le like, etc. Vous savez bien. Bon, de quoi on va parler? Bon, déjà, j'ai un trailer à vous montrer. Comment vous dire? Je vous avais dit quelque chose dans la vidéo précédente. Je vous avais parlé du mecha. Ok? Je vous avais dit, putain, ce serait de la merde si on pouvait conduire en mecha et qu'on serait quasiment invincible dans ce mecha. Comment vous dire? Je pense que ce vœu, qui a été certainement souhaité par la plus grosse des merdes, a été exaucé. Bon, je vais vous montrer tout ça. Ceci dit, alors attendez, parce que j'ai les retours du stream ici. Hop là. Je vais vous montrer ça. Et on est parti pour que je vous montre cette belle expérience qu'on va avoir dans cette nouvelle saison 10, les gars. Hop là. Season X is here, and the world is destabilizing. Ah, on enchaîne, hein. But don't worry, that means there are a ton of new ways to play Fortnite. Je l'ai pas encore vu, hein. From the Brute, a new two-player vehicle that packs some serious firepower. Deux joueurs. To mysterious rift zones that alter your favorite POIs in unexpected ways. Huh, that's weird. Mais non. Season X delivers new experiences for all players to enjoy. There are new places to explore, new secrets to uncover, and the world you play today may not be the world you play tomorrow. Oh là là, mais quel enfer! Found in Season X, there's also a brand new battle pass that'll introduce new dimensions to some of your favorite Fortnite characters in ways you've never seen before. And at tier 100, bon, le battle pass a l'air pas si dégueu. On va en parler après, les gars. On va en parler après. Don't forget, there are new emotes, gliders, wraps, and more to earn as you advance through the pass. The battle pass is available right now for just 950 V-Bucks. We'll see you in game. Attendez, j'ai envie de voir les skins. Ce skin-là, il est quand même stylé, les gars. Je vais vous dire mon avis, hein. Alors, les autres, ils sont un peu éclatés au sol. Mais celui-là est stylé aussi, je trouve. Celui-là, bah, sans plus. Mais franchement, celui-là, c'est un des plus stylés, je trouve. Bref, on va regarder la fin. La fin, y'a rien. Ok, bon, les gars, on va avoir le temps de discuter, là. Je peux vous assurer que là, y'a des choses à dire. Merci pour le don de 2€, Wolf Gaming. Quand tu feras ta prochaine vidéo astuce. Alors là, je ne sais pas du tout, Wolf Gaming. À mon avis, ce sera plutôt peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. On verra bien. Bon, il y a tellement de choses à dire sur ce trailer, les gars. Déjà, est-ce que vous êtes chaud pour un mecha ou pas? Alors, peut-être que certains d'entre vous sont chauds, hein. Peut-être qu'ils sont là, oh, ça va être super, on va bien s'amuser. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça. Bref. Alors, il faut savoir, hormis le fait qu'il y ait des mechas, déjà dans le mecha, apparemment, on peut être deux. Il y en a, ils sont pas trop chauds pour les mechas. Moi non plus, je suis pas trop chaud. J'aime pas du tout quand il y a des nouveaux véhicules. En fait, franchement, ça va tout casser, en fait. Mais bon, si on est vraiment vulnérable dedans, ça va. Mais ça a l'air pété, mec. Regarde un peu le nombre de missiles qu'il envoie. Regarde ça! Mais mec, c'est pire qu'un avion, le truc. Regarde le nombre de missiles qui balance. Ah, mais oui! Mais attendez. La destruction du truc. Le mec détruit une baraque, mais en une seconde. On n'en parle plus. Non, mais ça va. Bref, hormis le mecha, les gars, nouvelle map, évidemment. Enfin, nouvelle map. C'est pas vraiment une nouvelle map, c'est l'ancienne map que vous connaissiez. À mon avis, il y a certaines choses qui sont revenues, comme par exemple les dépôts de 2-6 dépôts ici que vous voyez. Alors, par contre, avec le mecha, on va pouvoir faire un peu des trucs comme dans Titanfall, à mon avis. Regardez comment il se déplace sur le côté. Hop. À mon avis, il y a des petits tricks à faire avec le mecha. Bon. Il y a des nouveaux endroits à explorer, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas du tout où c'est. C'est quoi ça? Alors, le crâne est toujours là. Ok, ils ont ajouté quelques petits trucs, genre l'arbre.
Le gros arbre ici, il y est pas, hein, de base. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Attendez, on est où là? On est où ici? Où est-ce qu'on est ici? On dirait qu'on est à l'usine là, les gars. Oh là, ça va être un enfer. Ok. Je regarde si on voit des nouvelles choses. À part l'usine et, et dessus des pots, les gars, je ne vois rien de nouveau. Junk, vous dites? Loot Lake n'a pas bougé. Je pense que c'est l'usine à côté de dessus, ouais. Désolé, je mange. Et j'ai pas eu le temps de manger, en fait. Voilà. La bulle a été enlevée. On a le... Attendez. Merde. Skok. Non. Alors, ça c'est le... Est-ce qu'il y a en français ou pas? Attendez, je vais regarder. On va regarder le patch ensemble, les gars. Ok, on a le patch ici. On a le patch ici, quoi de neuf? Alors, brut. Quoi de plus jouissif qu'une exo-armure? Non. Non, en fait. Ce n'est pas drôle. Non. Dans ce véhicule, Bip place donc bien deux joueurs. Un joueur contrôle les déplacements, tandis que l'autre manipule les armements. Ah, d'accord. D'accord. Donc. Bon. En soi, ils ont quand même bien compris. Je pense que ça peut être cool à jouer. Ça peut être cancer, mais ça peut être cool peut-être à jouer. Mais ça veut dire qu'en solo, les gars, je vais pas avoir des grosses merdes avec ces énormes armures de merde. Oh, ça me saoule! Bref, il y aura pas ça en solo parce que le mec, il pourra pas contrôler et les déplacements et l'armement, mais peut-être qu'il peut, il peut changer de place, tu vois, dans le truc. Donc, il y a peut-être moyen de jouer même avec ça en solo, en fait. Je dis de la merde. Zone de faille. L'explosion du point zéro a rendu l'île instable. Des lieux que l'on pensait disparus sont réapparus. Ouais. D'accord. Bon. Le conducteur peut charger au combat, blablabla. Le passager dispose de deux armes. Un lance-missile. Entre nous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Alors, peut tirer jusqu'à 10 missiles d'un coup? Oui! Pourquoi pas 50? Hein? Non, mais qui a eu cette idée, sérieusement? Tous les missiles sont tirés automatiquement au moment de relâcher la touche. Ouais. Nouveau système de le surbouclier. Bah oui! Bah oui! Évidemment! Évidemment! Ah, ça protège pendant 5 secondes. Si tu utilises 200 unités de bois, de métal ou de briques, ça protégera le mecha pendant 5 secondes, évidemment. Objet remisé. Yes! Yes! La bulle mobile! Ça dégage, je vous l'ai dit! Le quad, pourquoi enlever le quad? Le pistolet... Mais quoi? Bombe ténébreuse... Non mais oh! Bombe ténébreuse? Fusil sniper auto, bah ça je m'en fous un peu. Fusil d'assaut. Non, pas ça. Pas ça. Fusil d'assaut tactique. Non, on l'aimait tous ce fusil d'assaut là. Moi je l'aimais bien. Tourelle déployable, on s'en bat la race. Frappe aérienne. Les mecs ils ont mis une frappe aérienne. Ils l'ont laissé juste un ou deux patchs et c'est bon. Ils se sont dit ah bah en fait c'est de la merde, on va l'enlever quand même. Oui, enlevez-la. Alors, en finissant, nous avons ajouté beaucoup d'options de mobilité, que ce soit sous la forme, blablabla. Ouais, arrêtez de vous justifier. Alors, tous les feux de camp soignent désormais les véhicules. D'accord. Ah, c'est un bug en fait. Ok, ouais, ok. Enfin, non, je ne sais pas. Le fusil de sniper gun ne profite plus d'une précision parfaite sans viser. Pourquoi verser ça? Je ne comprends pas. C'était justement le principe de ce sniper au final. Un bug est devenu justement un principe fondamental avec ce sniper. Pourquoi l'enlever? Je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était normal en fait.
Yo, à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Il y a un robot, oui, il y a un robot, ouais. Ouais, malheureusement. Jouabilité, mission, on s'en fout. Alors, événement, c'est tout ce qui a changé? Ah, attendez, il y a une mise à jour du mode arène, ça peut être intéressant. La saison commence avec un mode solo et un mode trio. Ok, pourquoi pas mettre le mode duo, je ne comprends pas. Mais bon, le succès sera réinitialisé au début de la saison 10 si un nouveau système de points sera mis en place. 10 divisions. Nice! Quoi? 14 000 points pour le champion 3? Attendez. 10 divisions, les valeurs en points ont été augmentées, mais la progression devrait être similaire. Alors, ouverte, donc c'est-à-dire de 0 à 500, c'est, on est bronze 1 en gros là. 2, 3, 3, 4, rivalité 1, 2, 3, 4. Champion 1, 2, 3, ok, ça se calcule comment? Alors, en solo, oh là là, quoi? Chaque élimination, c'est 20 points? C'est énorme. Apparemment, les prix des tickets de bus augmentent en division 3, 4, 5, 6, ok, d'accord. Une élimination, c'est 20 points, c'est énorme, je trouve, mais bon. Top 25, 60, ça va vite augmenter, on va vite augmenter, je pense, hein. On arrivera vite aux 14 000, à mon avis, hein. Faudra voir combien c'est le prix du ticket de bus, mais à mon avis, on arrivera très très vite au champion. Mais bon, c'est une bonne chose qui change un petit peu le mode de classement, je trouve, de l'arène, parce que franchement, il devenait trop répétitif, c'était vraiment très ennuyeux à la fin, et moi, je jouais même plus en arène, parce que j'avais aucun intérêt de jouer en arène, en fait. Donc peut-être que là, on aura un petit intérêt, c'est d'être champion 3. Et champion 3, c'est quelque chose. Bon! performance animation, est-ce qu'il y a des corrections au niveau du son? Alors, il y a une émote. Ok, ça, on s'en fout. Augmentation du volume de la portée du son des coffres de 10%. Ça, c'est une bonne chose parce que franchement, des fois, on n'entendait pas les coffres alors qu'ils étaient bien là. Rediffusion. Un nouveau mode de caméra a été ajouté. Ça, c'est cool pour moi. Amélioration du système de tir automatique. Quoi? Ah non, c'est pour mobile. Autant pour moi. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, je pense que le reste, on s'en bat la race. Attends, ça, c'est général. En termes de performance... Ah oui, c'est vrai, maintenant, il faut une nouvelle carte graphique, les gars. Enfin, il faut une bonne carte graphique pour pouvoir jouer sur PC, en tout cas, il paraît. Au cas où. Ouais, j'ai raté performance, mais il n'y a rien d'intéressant, je pense, en performance. Hein. Vraiment, hop. Il n'y a rien d'intéressant. Non, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bref, les gars. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais un petit peu lire le chat maintenant qu'on a survolé un peu tout le patch. Sachez, les gars, là, il est 11h. Ça veut dire que dans une heure, exactement, il y aura, on pourra jouer lors de la nouvelle mise à jour. Logiquement, c'est ouverture des serveurs à midi. Alors, les bonnes choses, je trouve, dans ce patch... oh là là, ça va être dur de trouver. Non, en soi, c'est le retour de certaines choses de l'ancienne map. Ça, c'est une bonne chose. Mais en soi, en termes de bonnes choses, il n'y a pas beaucoup d'ajouts. Il n'y a rien, en fait. En ajout au niveau des armes, etc., ils ont fait que retirer toutes les armes. Ils ont ajouté un énorme méca que personne ne veut, certainement. Je pense. Est-ce que je suis le seul à ne pas vouloir le retour de ce méca? Dans les autres youtubeurs, j'imagine qu'ils disent la même chose. Ou bien ils font les gros faux culs, les grosses hypocrites. Bordel! Ça me rend dingue. Non, en soi, je pense pas que ce soit une bonne chose. On va bien voir si les gens vont rager. Je pense qu'ils vont rager. Ça peut être fun en duo, parce que voilà, il y en a un qui pilote et il y en a un qui tire. Ça peut être sympa. On peut se taper des grosses barres, mais en soi, je pense pas que ce soit un ajout nécessaire. Alors, la deuxième... Le gros point positif, c'est qu'ils ont changé le mode arène qui était très répétitif, c'était de la merde. Du coup, eh ben, on arrive à un système de ranking similaire à plus ou moins aux autres jeux. Je dis bien plus ou moins parce qu'il y a encore des divergences. Ça, ce sont les bonnes choses et les mauvaises choses. Enfin, les bonnes choses aussi, c'est le retrait de la bulle mobile. C'est vraiment cool. Sincèrement, pistolet silex, pourquoi l'enlever? C'était une arme qu'on n'utilisait même pas pour tirer sur les gens, ça devenait vraiment une arme très stratégique. Et fusil d'assaut tactique, c'est une arme ultra précise pour un fusil d'assaut, donc pourquoi l'enlever aussi? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Le reste, je pense que c'est une bonne chose quand même. Et voilà, en gros. Bon. Je pense que comme moi, il y en a plein qui trouvent que c'est de la merde, le robot. Il y a le trailer, si vous voulez, je peux vous remontrer le trailer. Je vous le remontre une fois pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous le remontrerai un petit peu plus tard. Comme ça, vous verrez exactement. Et voilà, du coup, en attendant, je vais lire un petit peu le chat. Ouais, c'est de la merde, le robot. Ouais, on est d'accord, c'est pas ouf. Hein. La carte est disponible sur le Twitter de Yanté. Ok, on va voir la carte juste après, les gars. Peut-être le retour de Grizzly, certainement. Putain, j'en ai marre de Grizzly. Si franchement, si Grizzly revient pas, c'est un gros délire. Hein. Alors, au niveau du pass de combat, je pense que les skins vont être quand même assez stylés. On a vu quand même des skins relativement corrects. Je pense que je vais le prendre, le pass de combat. L'astronaute, il me donne envie. Je kiffe encore bien. Y'a pas Grizzly? Quoi? Non mais pardon? Non! Non, 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 les gars, arrêtez de me faire ce... Ah oh, putain, franchement, s'ils ont fait ça, ils ont vraiment foiré. Bon, on va voir sur le truc de Yanté. N'hésitez pas à me follow d'ailleurs sur Twitter, les gars, c'est dans la description, et au cas où, si vous voulez vraiment me chercher sur Twitter, c'est physique avec 2K. C'est pas Physique TV, c'est Physique avec 2K. D'ailleurs, je vais bientôt changer ça. Alors, apparemment, il y a la nouvelle map qui a été leak. Mais où elle est? Elle est où, cette nouvelle map, là? Yanté, tu leak trop, là! Voilà! Voici la nouvelle map, les gars. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ils ont enlevé les tunnels d'air? Ils auraient dû en laisser. Ils auraient dû en laisser quelques-uns. Franchement, ils ont pas compris un truc, c'est que c'était bien, c'était une bonne idée. Mais il y en avait trop. Mais il n'y a rien qui a changé, bordel, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Oh, on a remis les dépôts. On s'est pas foulé chez Epic Games, hein. On a repris l'ancienne carte. On a fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. On a remis tout ce qu'il fallait en place. Et on s'est pas foulé, en vrai. Là, il y a un arbre... désolé pour ça, les gars. Il y a un arbre rose. Je ne sais pas ce qu'il vient foutre là, on verra bien. Megamall, est-ce que Megamall? Non, Megamall, c'est toujours Megamall. Paradise, c'est toujours Paradise. Pardon. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Epic Games. On se foutrait pas un peu de notre gueule, là, par hasard? Non, mais c'est dingue, ça. What the fuck? Putain, et franchement, les gars, en vrai... On s'est hypé, moi je me suis hypé pour rien. Parce que vous savez ce que j'attendais, moi. Moi, ce que j'attendais exactement, putain, mais qui travaille chez Epic Games? Il n'y a aucun joueur, il y a personne de chez Epic Games qui joue à leur jeu, c'est pas possible. Moi, ce que j'attendais exactement de la carte, j'attendais qu'on laisse le gros tunnel d'air qui traverse toute la carte. Qu'on enlève le tunnel d'air qui passait autour de Megamall. Useless. Useless, ce tunnel d'air de merde. Qu'on remette Grizzly Grove, la glace n'a rien à faire là. Putain, ça fait combien de saisons que c'est comme ça? On dégage la glace, on remet Grizzly, on remet Dusty, on remet l'usine. Ça, c'est une bonne chose. Peut-être aussi faire des petits changements au niveau du nord de la map, même s'il y a eu des gros changements. Je trouve qu'ils auraient pu faire autre chose. On verra bien s'il y a eu des changements, je pense pas. Peut-être faire un petit changement au niveau de Paradise aussi. Ça fait quelques saisons que c'est comme ça. Les bords de map sont vraiment inintéressants. Et vraiment, peut-être faire un changement au niveau de Salty et de Pleasant Park. Salty, ça fait combien de saisons que c'est comme ça aussi? What the fuck? Ça me rend barge. Y'a rien. Y'a rien du tout, les gars. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus de changements et je suis vraiment très déçu par cette carte. Je pense que vous aussi. La map va évoluer avec les semaines. Putain, ouais, d'accord. No way, no way. Mais là, franchement, Grizzly... Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, il faut arrêter de nous dire que ça va évoluer. Ça fait 2 saisons que je pensais que ça allait évoluer aussi. Je peux pas lancer Fortnite, les gars, les serveurs sont hors ligne. Bon, on va voir du coup tout ce qui a été leak par Monsieur Yanté ici présent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Des choses qu'on ne connaît pas? Certainement.
Alors, apparemment, c'est le palier 100 du nouveau pass de combat. La boutique du premier roux, ça va être celle-là, il paraît. Voilà. Anarchy Agent. D'accord. Rien de ouf, en soi. Alors, voyons voir ce qu'il y a d'autre. Les gars, on a le temps. Hein. Franchement, on peut blablater pendant des heures. Le nouveau pass de combat, ça fait partie des skins du nouveau pass de combat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Les skins sont quand même assez corrects, on va dire. Franchement, ils sont pas dégueux. L'astronaute, il est quand même cool. Le genre de motard de Mad Max, là, il est vraiment stylé aussi. Je pense que je vais prendre le pass de combat. Oubliez pas, les gars, pour le pass de combat, n'hésitez pas à mettre le code créateur Physique TV. Il est écrit en haut, là-bas. Là-bas, par là. N'hésitez pas vraiment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La bulle, bah ça dégage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas... Ah, mais qu'est-ce que c'est? On dirait tomato. Parce que là, il y a une tomate, en vrai. Mais... Attendez. C'est tomato qui a changé? C'est pas possible. C'est tomato, ça? Vous pensez qu'il y a un nouveau tomato? Alors, s'il y a un nouveau tomato, bon... Oui. Mais je m'attendais quand même à plus de changements. On verra. On verra. Attendez, je regarde si tomato... En vrai, on voit pas de changement ici au niveau de la carte. Il y a un petit truc, ça c'était le... Il y a rien, hein. Je pense que ça, ce sera plus tard. Mais bordel, c'est trop long. Ça nous fait trop attendre, tu vois. Alors franchement, ce skin-là, il est trop stylé. J'aime vraiment bien. Celui-là, ça va encore. Bon, celui-là, on le connaissait déjà, il me semble. Quasiment. Mais il est très stylé aussi. Parapluie saison 10. Voilà le nouveau parapluie de la saison 10. Quand vous ferez top 1, certainement que vous aurez... Alors faites top 1, les gars, si vous voulez avoir ce... Bah oui. Bah oui. Non, si vous voulez avoir ce parapluie, faites top 1 quand même. Bon. Est-ce qu'on a autre chose d'intéressant? Ah, on n'arrive pas à voir. Je peux pas zoomer, les gars. Donc ça, c'est un peu tous les objets qui se retrouveront... Dans votre inventaire, certainement, quand vous prendrez le pass de combat, ça, à mon avis, c'est tous les objets du pass de combat. Il y en a pas mal du tout. Et au niveau des skins, bah, c'est tout ce que vous aurez, je pense. Ouais, c'est tout ce que vous aurez comme skin. Bon, ça va, franchement, il est correct, il est pas si dégueu que ça. Bulle et quoi de supprimer exactement, ouais. Le pass, c'est du copier-coller. Ça va encore. Franchement, je suis pas hyper déçu. Il est gratuit, le pass de combat. Non, 950 V-Bucks. Fusil Sniper Auto. What the fuck is that? La semaine prochaine, un nouveau fusil... Bah oui. Allons-y. On en enlève un pour en remettre un autre. On dirait vraiment un Dragunov, celui-là, par contre. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Dragunov, je vous montrerai ça après, mais c'est vraiment très similaire au Dragunov. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, je pense que c'est les wallpapers. Ça, c'est les backgrounds, les gars, que vous recevrez, à mon avis, avec le pass de combat que vous pourrez mettre pendant les chargements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des dessins. Ok. What? What is that? À mon avis, c'est même utilité que la balle magique, le frisbee, etc. Inutile, mais voilà, ce sera certainement pour des défis. Alors, un nouveau revêtement d'armes. Ça va, écoute, là on en a un peu trop des revêtements d'armes. Hein. Vous essayez de nous gratter de la thune, Epic Games, c'est ça? C'est ça que vous essayez de me dire? Alors, est-ce que ça fait partie du pass de combat ou pas? Je ne sais pas. Ce revêtement d'armes n'est pas trop dégueu, je trouve. Le reste, celui-là, il n'est pas trop dégueu non plus, Météor. Celui-là non plus, Zéro Fractal. Et le vrai Zéro Fractal, il est quand même stylé. Hein. Bref! On continue d'avancer, les gars. La map, je vous la remontrerai après. La map va changer. Je sais, The Black Hole, qu'elle va changer. Mais c'est pas suffisant. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des changements toutes les... Je m'en fous. Je veux qu'il y ait un gros changement. Et qu'ensuite, s'ils veulent rechanger des trucs, ils rechangent. Mais au moins, on a vraiment un gros déclic à la nouvelle saison. Ça n'a aucun sens de faire un ou deux changements et puis de dire « Ah ouais, mais ça changera plus tard ». Non, mais c'est bon, quoi. Ces skins-là sont assez stylés. Moi, j'aime bien les skins futuristes, en fait, les gars.
Voilà, au cas où vous auriez pas remarqué, j'adore les skins futuristes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le nouveau mecha que vous connaissez. Oh là là, horrible. Générateur de mecha. Ouais, attendez quoi? Attendez, il va peut-être revenir, les gars, l'espace 12. Ça, ce serait une bonne chose. Ça, ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait être vachement... Pourquoi ils ont appelé ça arme autruche? Non, mais quel est le rapport? Vous vouliez, quoi, camoufler l'arme en mettant un autre nom d'arme alors que c'est le même skin? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt de faire ça? Des nouvelles émotes, évidemment. Les pattes bleues de retour. Ah, ça, c'est cool. Oh, les gars, pour ceux qui n'ont pas connu les pattes bleues, c'est vraiment des objets qui étaient très utilisés dans les précédentes saisons. Et tu pouvais faire des moves incroyables avec ces pattes bleues. Tu pouvais ne pas prendre de dégâts si tu étais tout au-dessus. Tu pouvais prendre un max d'auteur avec ces pattes bleues. Tu pouvais faire plein de moves ultra stylés. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'ai jamais compris pourquoi ils les ont enlevés. Ils vont peut-être revenir. Ça, c'est une bonne chose. Quoi d'autre? Alors ça, c'est des skins aussi. Alors, je sais pas si c'est du pass de combat ou pas. Ah, je pense que c'est les skins évolutifs, en fait. Ouais. Là, c'est l'astronaute évolutif. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Oh, la Game Boy. Vous dites le Game Boy ou la Game Boy, les gars, pour les plus anciens? Moi, je disais souvent le Game Boy, mais je dis les deux maintenant, voilà. C'est un débat qui n'a aucun sens, mais j'ai envie de le lancer parce qu'on a du temps à tuer. Je pense que c'est tout. C'est tout pour les leaks, les gars. Bon. Je vais vous remettre le trailer pour ceux qui n'ont pas encore vu. On est 1400, bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à like le live, ça me ferait très plaisir parce que le live va rester en rediffusion. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous dites la Game Boy. Oh putain, il y a que moi qui disais le Game Boy à l'époque. Oh, j'étais vraiment un gamin de merde. Hein. Oh là là. Oh, il y en a qui disent quand même le... Oh, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, j'ai peut-être raté des trucs. Ah, ça, c'est les défis. Pour ceux qui veulent voir, c'est quoi les défis? Ok, il y a des... Ça, à mon avis, ça va être un mode de jeu. Et ça, à mon avis, ça va être en section... Ah, peut-être! Attendez! Peut-être que le mecha, ça va être uniquement dans un mode de jeu. Alors là, si c'est le cas, je retire tout ce que j'ai dit sur le mecha. Et c'est une bonne chose. Mais si... Ce mode est vraiment introduit... Enfin, si le mecha est introduit dans le Battle Royale, alors là, je suis un peu moins d'accord. Mais sinon, ça va. Sinon, c'est une bonne chose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Pour ceux qui n'ont pas revu la map, sachez que, pour l'instant, apparemment, il y aura des changements dans l'avenir. Mais pour l'instant, il n'y a que le changement au niveau de deux styles. Les dépôts reviennent. L'usine revient aussi avec, on dirait qu'il y a un truc en feu là, je sais pas ce que c'est. Il y a des arbres roses, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais il y a des nouveaux arbres ici au niveau du crâne. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y aura un nouveau changement certainement au niveau de Tomato qui reviendra, ils sont pas foulés bordel de cul. Et peut-être le retour de Grizzly aussi à l'avenir, il paraît au niveau des changements des maps, ça fait 3 ans qu'on attend le retour de Grizzly, il y est toujours pas, c'est cool, merci Epic Games. Bref. C'est tout, les gars. C'est tout. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous donne. Voilà, je vous fais un petit peu la promo. Juste histoire de tirer le temps, je vous fais la petite promo pour mon Twitter, mon Instagram, mon code créateur. Et ensuite, on regarde le trailer. Et ensuite, on reparle un peu du patch, etc. Bref, mon Twitter et mon Instagram, c'est dans la description, les gars. C'est physique avec 2K pour Twitter. Et Instagram, c'est physique TV, simplement. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre, et sinon, le code créateur vous l'avez en haut à gauche. Vous savez bien, n'oubliez pas de le prendre avant d'acheter le pass de combat, c'est très important. Et on repart sur le trailer pour ceux qui l'ont pas vu. Et en attendant, je lis un petit peu vos commentaires. C'est quoi ton... Attends, je suis grave déçu par la map. Moi un petit peu aussi. Il y a deux trailers. Vous êtes sûr? Attendez, je vais regarder alors. Je vais regarder. On va finir celui-là et je vais regarder.
La map a vraiment gâché mon plaisir, moi, un petit peu aussi, ouais. L'objet de 6, c'est la météorite. Ah, d'accord. Ok, Flash. Ouais, t'as peut-être raison. Certainement, d'ailleurs. Merci Lingamer pour ton don de 1€ et merci pour ce que tu viens d'écrire concernant le code créateur et le pass de combat, merci à toi. Alors, il paraît qu'il y a un autre trailer. On va voir ça tout de suite. Mais ça on l'a déjà vu en fait les gars. Ça on l'a déjà vu hein. Donc il n'y a rien à voir en fait parce que ça on l'a déjà vu. Si c'est ça dont vous parliez hein. Bon, je vais vous le montrer au cas où, si vous ne l'avez vraiment pas vu. Putain, la qualité est dégueulasse. Hop là, on va mettre ça. Ok. Et on va mettre les deux. Hop là. Pour ceux qui n'ont pas vu ce trailer-ci, il est très stylé. Je vais prendre un truc à boire parce que là, j'en peux plus. Et voilà, ça a été très vite. Salut les gars, je viens de rejoindre ton live. Bienvenue à toi, Espoir Zoba. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, vous êtes 1200. What the fuck? Bienvenue à vous tous. Un retour dans le passé, évidemment. Bon, les gars, c'est tout ce que vous devez savoir. On va revoir le patch. Peut-être que j'ai loupé des trucs et on va en parler simplement entre nous. Alors, comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que le mecha, ce sera dans un mode de jeu. Mais le truc, c'est qu'il est pas mis, tu vois, qu'il y a un nouveau mode de jeu. Tu vois, il est rien mis du tout. Et ça, c'est... Oh, ça m'inquiète. Bon. Concernant le mode arène, les gars, est-ce qu'il y en a... Parce que je sais bien que parmi vous, il y en a plein qui ont arrêté le mode arène, parce que voilà, c'était pas intéressant. Est-ce que vous allez recommencer le mode arène? Est-ce que vous allez un petit peu tryhard pour essayer d'atteindre le champion 3? Voilà, c'est une question comme une autre. J'aimerais bien avoir votre avis, mais au niveau du système de classement, peut-être ce que vous en pensez. Tu vois, vous voyez, là, c'est... On a une heure à tuer, et c'est le moment, justement, de... Bah, de discuter un petit peu entre nous. La map, je vous la remontre après. C'est pas la peine de spammer. Vous voyez, il y en a qui vont tryhard. Nice. Il y en a qui pensent que c'est un mode de jeu. Ok, ok. Ouais, j'ai fait la marche Zelda Arkham, mais par contre, les serveurs ne sont disponibles qu'à partir de midi, plus ou moins. Ouais, je vais faire les 300 points. Bah là, t'as plus que 300 points à faire là. Là, t'en as 14 000 à faire pour atteindre le palier maximum. Donc, t'as de la marge. Vraiment, t'as de la marge. Alors, bah, je vois qu'il y en a qui sont assez chauds pour retryer un petit peu de l'arène. C'est cool. Moi, à mon avis, en live, je vais retryer un petit peu. Pour vous faire plaisir aussi, je vais essayer d'atteindre ce champion 3, ça va être très dur à mon avis. Alors, mode créatif, on s'en bat la race. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un autre trailer que ça? C'est pas possible. Merci pour tes 2,30€ virus, mais je pense pas qu'il y a un autre trailer que ça. Je vous ai montré ce trailer. Ce trailer là, vous l'avez déjà vu, et l'autre vous l'avez déjà vu, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre, c'est sûr. Sinon en fait, il serait dans le top. Dans le top et il serait sur Twitter aussi, et il n'y est pas. Donc voilà, 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 voilà. Bref. Il y en a un autre, non c'est pas possible. Chaîne YouTube de Fortnite. Oh tiens, franchement ce youtubeur là il est cool hein, il est cool. Franchement vous pouvez y aller. Il fait des bons lives, il fait des bonnes vidéos et tout. Alors, voyons voir.
Ça? Alors c'est World Cup Recap ça les gars. Gentlemen, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la World Cup, j'espère que vous avez kiffé parce que c'était incroyable. Mais c'est tout. Y a pas de nouveau trailer. Bref. D'ailleurs pour ceux qui ont vu la World Cup, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien ou pas? Selon vous hein. Je vous parle au niveau du show, au niveau du gameplay des joueurs, au niveau de l'organisation, au niveau de tout. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Et qu'est-ce que vous vouliez? Moi, je pense que moi j'aurais bien voulu voir King ou des joueurs le stream gagner, mais bon. Ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir. Ils ont quand même fait un très bon truc. Un très bon score. Pas ce combat est gratuit, non. King est tellement bon, je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a beaucoup de oui par rapport au non. Les serveurs sont ouverts, bah pas pour moi mec. Putain, j'arrive pas à vous lire, vous êtes trop nombreux là à écrire, what the fuck. Calmez-vous. Ouais, Buga a été incroyable les gars. En attendant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer là? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer, sincèrement? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pourrais vous montrer. C'était le feu de Dieu, on est d'accord. C'est incroyable. Les gars, pour moi, ça ne marche pas parce que je suis en Belgique. En Belgique, ils ouvrent toujours les serveurs genre 5 minutes plus tard que les autres. Donc, va falloir attendre, voilà. Regardez, je vous mens pas, hein. Et ça sert à rien de me dire les serveurs sont verts. Ça sert à rien. Moi, tant qu'il n'est pas mis lancé, les gars, je ne peux pas lancer. Oh. Par précaution, je pourrais peut-être relancer Epic Games. Mais Ok, on va faire ça. On va faire ça. Ouais, ça va en ligne. Il me semblait bien. Bon, attends, je vais vous montrer un peu de gameplay. Hein. On va vous montrer quelques fails. Oh, c'est en 2018 cette vidéo. Oh. Ouais, non. Attends, je vais vous montrer ça. Le temps que ça se fasse. Et ensuite, on lancera. Hop, je vais le mettre sur le côté. Alors, apparemment, c'est que des fails, ça. Ça marche pour moi aussi. Ah, c'est bon. On s'en bat les couilles de ça. Tout ça, ça dégage. Hop. Hop. Et on est parti, les gars. Ok, let's go. Ça devrait arriver d'une seconde à l'autre, vous en faites pas. Faudra juste que j'enlève un petit truc. Ouais, ça se lance, les gars, vous en faites pas. Ça se lance! Vous savez, la lenteur du lancement du jeu, c'est. C'est incroyable. Alors, est-ce que je peux déjà vous montrer? Oh, yeah! Yeah! Alors, juste un truc. Ok, je vais l'enlever après. Alors, pour l'instant, je vois plus le chat. Voilà. Mmh.
T'es content de ton avancée sur YouTube Ouais, quand même, Skyden. Après, comme tout YouTuber, j'aimerais que ça aille plus vite, mais tu peux pas. Pas trop le seum pour la Coupe du Monde. Non, non, non. Franchement, pour moi, c'est quand même une chouette Coupe du Monde. Allez, lance, là. Vas-y. You can do this. Faster. Oh là là, ce chargement. Comment on fait pour te sponsor? C'est le bouton rejoindre virus. Merci pour le don de 1€, Yuri. Merci à toi. Merci, merci. Allez, vas-y, lance, j'en ai marre. C'est tellement lent. Oh, franchement, les gars. On parle des autres jeux qui sont lents et tout au lancement, mais sincèrement, Fortnite, c'est le, pour moi, actuellement, c'est le jeu le plus lent au lancement du jeu. C'est le jeu le plus lent. Pourtant, c'est un jeu cartoon et tout, il n'y a rien de très spécial. Hein. Mais c'est le jeu le plus lent. Allez, vérifie tout ce que tu veux. Vas-y. À ton aise. Battle Royale. Alors, la cinématique, je pense que c'est celle qu'on connaît. Et on s'en balasse. Ok. Alors, attends, il faut juste que je... Ok, bah, c'est bon. On s'en fout, moi je veux le pass de combat, c'est bon. Acheter. Alors on prend pas celui-là parce que ça c'est vraiment, mais vraiment le pack du pigeon celui-là. Ok, pass de combat amélioré, merci. Vas-y, tout prendre, prends tout. Je vais mettre directement ce skin-là, il est beaucoup trop stylé. Tout le monde va le mettre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Où est-ce que t'es toi? T'es là. Vas-y, je vais laisser ça, moi j'aime bien. Je vais laisser ce truc là. Je vais juste faire un petit truc, les gars. On va vite fait passer sur le pass de combat. Mais je vais juste faire un truc avant. Et c'est quoi? C'est quoi que je dois faire avant? Oh là là, mais... Voilà. C'est bon. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Attendez, on m'a encore offert un don là ou je rêve? 2,30€, yo, t'es belge. Ouais, exactement, Yuri. Et ça va très bien, et toi? Bon. On va passer en revue vite fait le pass de combat. Il y a ça. Les doubles pioches. Enfin, la double hache qui. C'est même pas des haches, c'est quoi? Bon, c'est genre de hache futuriste. Une nouvelle graffeuse. Graffeuse Tilted ici. Nouvelle danse. Ça c'est pour vraiment se foutre de la gueule des gens. Toutes les danses sont faites pour se foutre de la gueule des gens quasiment. Ok, nouveau planeur. Ce nouveau skin, ils sont pas foulés. Mais bon, très bien. Nouveau skin encore une fois. Alors j'aimerais bien voir où est l'astronaute en fait. Nouvelle danse, revêtement d'armes. Ça vous connaissez. Skin étincelle, très bien. Why not? Ok, l'astronaute palais 87. Putain, je l'aurais tellement. Dans tellement longtemps là. Et ça, c'est quoi? C'est l'évolution. Bah, l'évolution, elle m'intéresse pas trop. Et le skin final, les gars, c'est celui-là, le chevalier ultime. En soi, je préfère encore l'astronaute. L'astronaute, ça me va. Putain, le revêtement d'armes, il est assez stylé celui-là aussi. Bref, voilà en gros pour tous les changements qui ont eu lieu. Et on est parti pour de la solo. Est-ce qu'il y a un mode méca chasse aux accessoires? Bon, je sais pas. On va aller en solo. Let's go. On est parti, les gars.
Yo, c'est Guy d'arriver, bienvenue à vous. Yo, Chapi, bienvenue à toi. On va voir du coup si c'était une fake map ou pas, je pense pas. Je pense que le retour de Grizzly Grove n'est pas pour maintenant. Et le mecha, eh bien, on va pas aller en arène directe, les gars, non, c'est mort. On ira plus tard, mais pas maintenant. T'as pas l'air content. En vrai, le pass de combat, ça va, il est cool. Mais la map... Ouais, la map, je suis pas super content, quoi. C'est pas ouf. On va voir si c'est bien celle-là, mais... Vous allez voir. Elle va être vachement dégueu, je pense. Allez, vas-y, charge là. Ouh. Non, mais non. Chargement. Oh, les chargements Fortnite, ça me tue, mon gars. Tu vois, le chargement, il va être terminé et le bus, il sera au fond de la map. Ce n'est pas possible. Pardon, il y a des météorites. Attendez, parce que là... Alors déjà, graphiquement, je pense que mon jeu est au maximum. Donc il va falloir que je règle ça. What the fuck? Ah mais ça, attendez, c'est... Ok, il y a les usines ici. Comme prévu. On va aller... Mais non, mais putain! Non, on va pas pouvoir jouer correctement. Ah mais non! Allez, vas-y, je me casse ici, moi. Vas-y. Attendez, faut juste que je fasse un truc, parce que là, on lag à mort. C'est normal, il y a un petit freeze. Je vais mettre les graphismes au minimum, parce qu'en fait, ils sont max. Il va avoir un petit freeze pendant X temps, parce que... Fortnite ne veut pas... Ne veut pas remettre les graphismes au minimum d'un seul coup. Vous voyez, ça prend du temps. Mais là, il y avait beaucoup de monde. On va mourir. Hein. Je vous préviens, hein. C'est la mort. Hein. Attendez, parce que là, mon clavier, il a changé, je rêve. Oh, je suis bugué. What? Les serveurs sont down. What? Ok. Je peux pas bouger, les gars. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger. Vas-y, on quitte la partie. Je pense que le serveur a crashé. What the fuck is that? Le jeu doit bug. Ouais, je pense que les serveurs sont... Les serveurs, ils prennent vraiment cher, là. Vas-y, on relance. Attends, je vous montre le pass vite fait. Parce qu'on va me le demander 150 fois, comme d'habitude, comme à chaque saison. Je passe en revue vite fait, le temps que ça lance, les gars. Voilà. Voilà. Vent terrain de jeu, c'est hors de question, hors comex. C'est mort! J'irai pas en terrain de jeu. Moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire du frag, j'ai envie de faire du kill. Je m'en fous du terrain de jeu. Alors juste, je dois faire ça. Ok. Hop là. Ouais, c'était pas mal le lobby Columbine. Franchement, j'ai bien apprécié. Hein. Yo, à ceux qui viennent d'arriver, les gars, bienvenue à vous. Sachez que ça bug pas mal. Il paraît. Enfin, il paraît, non. Là, on l'a bien vu tout à l'heure, ça a bien bugué. À mon avis, ce qu'on va faire, parce que là, franchement, le problème numéro 1, c'est que là, il y a beaucoup trop de monde. Là, il y a énormément de monde. Alors, on va aller à un endroit, genre méga mall, et ensuite, on passera par ces endroits, vous voyez. Ça sert à rien d'aller là, on va se faire. On va pas trouver d'armes, et ça va être de la merde. Autant survivre. Explorer à notre aise que de recommencer à chaque fois. Hop là, c'est parti. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Ça me ferait vraiment très plaisir.
Et apparemment, ils ont laissé les tunnels d'air au niveau de Mega Mall. Ça, c'est cool. Alors, ouais, allez-y tous là. Allez, wouh! Ah, ouais, vous êtes nombreux, hein. Allez-y, entretuez-vous, comme ça il restera une personne. Et j'aurai plus qu'à aller voir ce qui se passe exactement. Mais quoi? C'est quoi cette merde, Epic Games? J'arrive plus à bouger! Putain! Oh là là! Quel enfer là! Serveur HS là! C'est dingue! Serveur arrête pas de crash! C'est horrible! Vas-y là! Eh, ça me saoule! Ça reviendra pas! Ça reviendra pas parce que là c'est le serveur entier qui a crash! Vous voyez en haut à gauche là! En haut à gauche, vous pouvez voir le nombre de kilobits par seconde que je reçois! Regardez le chiffre! C'est zéro les gars! Zéro, je ne reçois rien ce serveur! Et HS! On est reparti! Oh là là! Ces serveurs qui tiennent pas là! Oh, on fait une nouvelle saison! Bah oui! Bah les gars, vous mettez des cash prize à des millions de dollars! Achetez des serveurs à des millions de dollars plutôt! Ça vous ferait plus plaisir! En tout cas, à nous. Peut-être pas au gagnant, mais en tout cas, à nous, oui. On est reparti. J'espère que ça va pas recrash. Si ça recrash, les gars, on va rester un petit moment sur le pass de combat. Au niveau des danses. Tu vois, Epic Games, là. Epic Games, actuellement, ils sont comme ça. Ils me regardent et ils sont comme ça. Ta-da-da-da. On joue 30 secondes et au crash, ouais, ça c'est chez tout le monde apparemment. Je réessaie une dernière fois les gars, j'espère que ça va pas crash. Si ça crash, je sais pas quoi faire. Franchement, on attendra genre 5-10 minutes et puis on relancera. La Thompson est toujours là, hein. Ok, de retour à Mega Mall évidemment. Pourquoi? Parce que. Pourquoi le truc là est toujours là, là, la boule? Ils ont oublié de l'enlever ou quoi? Alors si ça recrache, vraiment, je pète un plomb. Vas-y, dis-moi que ça va pas crash, dis-moi que ça va pas crash. Ne crash pas, ne crash pas, ne crash pas, ne crash pas. On reçoit toujours des données, on en reçoit de moins en moins là. De moins en moins. Ouf, oh là là, on survit là. C'est bon. Les serveurs sont. Ok. Ok, c'est bon. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe hein? Ok, je pense que ça va aller, les gars. Ah! Putain. Ça me rend barge. En fait, ça me rend barge parce que déjà, vous êtes là, je suis en train de stream, hein, ok. Deuxièmement, je peux pas jouer. Et vous voyez, quand vous voulez lancer un jeu, que vous avez envie de jouer et que vous pouvez pas jouer, ça rend fou. Et encore, troisièmement, vous rentrez dans le jeu, ça veut dire que vous avez l'espérance de pouvoir jouer. Ouais, on va peut-être aller en terrain de jeu en attendant, vous avez peut-être raison. Enfin, quoique, je sais pas, on verra bien.
Et donc du coup, ben, vous avez l'espérance de jouer, vous pouvez pas jouer. Monte le pass de combat. Voilà, les gars. Rien de spécial. Franchement, le skin le plus intéressant pour moi à l'heure actuelle, est-ce que j'aurai le temps de vous le montrer, c'est celui-là. Voilà. Je le trouve très stylé. Et voilà, vous n'aurez le temps de voir que ça. Il est gratuit. Non, les gars. Il a été gratuit une saison pour une seule raison. C'est qu'il y avait Apex Legends qui faisait concurrence. C'est tout. Epic Games ne vous offrira plus jamais de passe de combat, les gars. Ce n'est pas la peine de rêver. À part si un jour, il y a une autre concurrence qui arrive. Voilà. Alors, voyons voir. En attendant que les serveurs soient réglés, tout ça, on va aller voir tous les changements qu'il y a eu en terrain de jeu, du coup. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Et une fois qu'on aura vu tous ces changements tranquillement, en vrai, putain, c'est trop stylé, ça. Mais je pense que c'est l'animation qui pompe beaucoup. Hein. Oh là là, c'est tellement stylé, mec. Oh, est-ce qu'on peut... Vous croyez qu'on peut atterrir dessus? J'aimerais bien voir ça. Attendez, vous savez quoi? On va monter tout en haut, là. Logiquement, on peut monter dessus. Attendez, on va essayer. On va essayer de monter. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on joue pas et qui viennent d'arriver, c'est simplement parce qu'on ne peut pas jouer, les serveurs crash H24. Ok. Alors est-ce qu'on peut monter dessus? Ça serait incroyable. Il y en a qui disent qu'on peut. Bah on va voir de toute façon. Désolé, il y a un truc qui me gêne sur mon tapis de souris en fait. Ok, on est dans une... Oh, d'accord. Ah, par contre ça c'est vachement stylé. Est-ce qu'on peut farmer quelque chose ici? Non. La tourelle. Ah oui, mais ok, d'accord. On est en train de jouer, j'avais oublié. En vrai, c'est trop bien ça. C'est trop bien parce qu'on va pouvoir... ça va être un autre drop. Enfin, c'est trop bien, oui, non. En fait, le problème là, c'est les gens qui sont assez altir. Attendez, je prends des dégâts ou pas ici? Je pense pas. Les gens qui sont assez altis et à l'usine, ils sont un peu dans la merde parce que tu vois, on va pas subir de dégâts quand on va tomber. Est-ce qu'on peut monter encore plus haut? Ah, ça me paraît vachement haut, ça. Ça me paraît vachement haut. Quoique... Attendez, on va essayer. Ah non, on peut pas aller. On peut pas aller. On redescend, du coup. J'ai pas de jump pad. On va aller voir un petit peu tout ce qui a changé. Là-bas aussi, il y a des trucs qui ont changé. Salty, ben, y a rien du tout qui a changé. La map est bien celle qu'on pensait que ça allait être. Oh là là. L'animation est vraiment très stylée, les gars. Bon, bah l'usine, les gars, le retour de l'usine. Est-ce que vous êtes pas contents, là? Moi, je suis très content. Plutôt satisfait. J'aimais vraiment bien ce spot. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'entre Mega Mall et ici, et Dusty plutôt, il n'y avait que dalle. Donc là, franchement, ils ont rebouché le cratère. Ils ont fait tout comme il faut. Il y a même le camion avec les containers. Putain, ça fait tellement longtemps. Ça y est, le double pompe. Ah, rêvez pas, les gars. Rêvez pas. Hein. Rêvez pas. Hein. Là, vous êtes vraiment en plein délire. Hein. Même, quand même. On va revoir les dépôts de ces dépôts, si ça a changé.
Les robots. Bah, je sais pas s'il y aura des robots en fait. Je sais pas où ça spawn les robots. Je sais pas du tout où ça spawn. Peut-être aux endroits où il y avait des bulles. C'est quoi ça? Ok. Bon, il y a un coffre ici. Je me souvenais pas qu'il y avait un coffre là. Je pense qu'il y a plus de coffres parce qu'avant il y avait pas beaucoup de coffres ici. Il y en avait, je pense qu'il était au milieu le coffre. Alors ici il y avait des trucs aussi. Ok, je regarde plus ou moins où sont les coffres. Bon, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on n'est pas dépaysé. C'est-à-dire qu'on sait plus ou moins où sont les choses parce que voilà, on les a connues. Oh, mais il y a un mecha là-bas, attendez. Il y a un mecha, on le voit sur la carte. Bah, attendez, on voit tous les mechas sur la carte en fait. Ah non, il y en a que 3 là. Ah non, 3, 4, 5. Il y a 5 mechas en tout sur la carte. Il y a 5 spawns de mechas possibles en fait. Attendez, on va aller tester ça. Je vais pas vous montrer la carte toutes les 5 secondes les gars hein. Au cas où ça sert à rien de spam ça en fait. Parce que je la montrerai quand j'aurai envie de vous la montrer. Quand j'en aurai besoin en fait surtout. Attendez, on fait comment pour changer de... Ok. Ok. Oh là là. S'auto-détruire ? Pardon ? Pardon ? On peut s'auto-détruire ? C'est une blague. Attendez, juste tester un truc. Ok. Ah ok, donc ça c'est pour écraser. Comment on fait pour tirer? Ah ouais, non, on peut pas tirer. Ah, il faut que je change de position en fait pour tirer. Voilà, c'est tellement OP. Qu'est-ce qui se passe? Non mais ils sont sérieux là! Qu'est-ce qui leur prend? Attendez, on va essayer d'aller buter un bâtiment de... Ah, je suis bugué là, super. Oh! Mais c'est... Il est bugué, mon mecha! Mais what the fuck? De là, attendez, on va aller par là parce qu'en fait il y a un autre méca et je vais essayer de m'auto-détruire et je vais essayer de péter des construits aussi. Voilà, putain. Ah ok. Alors qu'est-ce qu'il y a après sur plante? Que ça a changé ou pas? Non, ça a pas beaucoup changé. Alors on va voir en termes de destruction. Ça a l'air vraiment très fort les gars. Bon, là pour l'instant ça va, on va voir les roquettes. Mais c'est ultra OP, mec, hein. Les roquettes. Attendez, je regarde juste la portée. Oh, oh là là, mais quoi? Mais regardez ça, ça détruit des... C'est en métal, les gars, c'est pas en bois, hein. C'est pas en bois, c'est en métal! Putain, mais. Alors, il y a l'autodestruction. Surcharger le bouclier avec le matériau.
Ok, vous pouvez protéger avec un bouclier. En tout cas, le pilote peut se protéger. Après, vous êtes très vulnérable. Vous voyez là-dedans. Vous êtes assez vulnérable. Mais quoique, vous avez une bulle de protection là. S'auto-détruire. D'accord. En termes de dégâts, on va aller voir ce que ça donne l'autodestruction. Genre, si je veux détruire le bâtiment qui est là. Bah non, ça sert à rien. Parce que, en fait, le bâtiment qui est là, ce que je peux faire, vous voyez. Simplement. Oh là. En vrai, c'est quand même kiffant. Go tilted, ouais, on va faire ça. Ah oui, dès que tu casses avec... Oh, what the fuck? Dès que tu casses des trucs avec le robot, tu récupères toute la constru. Oh mais mec, c'est ça aussi c'est OP hein. Mon gars, ils ont pondu l'épée. Ils ont rien compris. Ils ont pondu l'épée. Et maintenant, ils pondent pas. Un méca avec des lance-missiles. Il peut s'auto-détruire. Il peut traverser la map. Et là, regardez mon personnage. Vous le voyez? Est-ce qu'il est quelque part? Non! Bah non, il est nulle part! Vous savez pourquoi? C'est parce que je suis invincible dans mon truc de merde! Il faut péter le méca qui a 1000 PV pour m'atteindre là. Donc c'est à dire que si je veux traverser la zone, admettons je suis en fin de zone, je veux traverser la zone sans problème, bah je fais ça, regarde. Vas-y, je suis là dedans là. Il est devant, vous dites? Ah ouais, putain, bien vu. Mais attends, mais il est tout petit là dedans. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Il est devant, ouais. Bon, devant, du coup, il est ultra vulnérable. À part si le mec est en hauteur. Alors là, bah, là, c'est pété. Mais sinon... Sinon, j'ai rien dit. Alors, du coup, est-ce qu'on peut mettre le bouclier? Ah non, on peut pas. Voilà. Destruction de Tilted imminente. Ça dégage. Voyons voir un bâtiment de ce calibre, les gars. Est-ce que vous pensez que ça va tenir le coup? Ah, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Oh, mais regardez-moi ce... Oh. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ça tiendra jamais le coup, mais... C'est incroyable. Bon, attendez, on va essayer de s'auto-détruire maintenant. Ah, oh, c'est bugué. Ça arrête pas de se bugger, là. Oh, je vais péter un plomb. Hein. On va avoir l'autodestruction si ça fait beaucoup de dégâts, les gars. Alors si je me mets là et que je m'autodétruis. Bon. On va voir si ça fait beaucoup de dégâts, je pense que oui. Alors attendez, je l'ai fait où moi? Ah bah en fait. Ok. Autant pour moi. En fait, tout ça a été détruit, les gars. Je dis pas de conneries, hein. Attendez. Je me suis auto-détruit où, moi? On est d'accord, c'était ici, hein. À moins que ça ait fait zéro dégâts? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, on va essayer de relancer une game, les gars. J'espère que ça fonctionne.
Et ça fonctionne pas, on revient en terrain de jeu. Du coup, on est reparti. Je vais remontrer le pass de combat en même temps. Ça a rien détruit. C'est un autre bâtiment. J'ai l'impression que c'était ce bâtiment là, moi. Mais c'était un autre. On avait plus de raison. C'est celui-là, peut-être. Je ne sais plus. Ah, c'était celui-là ? Ah oui. Ah, c'était celui-là. Alors, t'es en train de me dire que les lance-missiles, ça détruit tout un bâtiment comme ça, mais l'autodestruction, ah bah non. Ça fait zéro dégâts. J'ai cru que ça allait vraiment détruire des trucs. Mais non, ça fait que dalle. On va aller voir, les gars, quitter le terrain de jeu. On va aller en solo, on va voir si ça refonctionne ou pas. Le double pont ne fonctionne pas, Alex. Le pass de combat n'est pas gratuit. Rêvez pas, les gars. Arrêtez de rêver. On est reparti en solo, du coup. Ah ouais, le pass de combat, sorry. Bah, le pass de combat, les gars. Voilà. Non, en gros, y a que, on va dire, 3 skins qui sont intéressants. Dont le premier skin de base que j'ai là. Celui-là, il est quand même cool. Mais le reste, pas ouf. Alors, on va essayer de retourner à Mega Mall pour la 150 000e fois. Et j'espère que ça va pas bugger, encore une fois. Non, il n'y a pas de double pompe, les gars. Non. Hop là. Ton skin est évolutif. Le mien, je pense pas. Il a des différentes couleurs, je pense, le mien. Mais sinon, il est pas évolutif. L'astronaute, il est évolutif. Et je pense que le skin final, il est évolutif aussi. Il y a 2 skins évolutifs, je pense, dans le pass de combat. Alors, il y a quand même des gens qui drop à Pleasant Park et tout. Nice. N'hésitez pas du coup à like le live, les gars. Parce qu'il y aura la rediffusion. Et si vous likez le live, bah forcément il sera un peu plus mis en avant, on va dire. Quand le live sera plus là. Et donc c'est cool pour moi. Merci à vous en tout cas. Bon, et oubliez pas le code créateur physique TV dans la boutique avant de prendre le pass de combat, c'est très important. Ceci dit, on va aller là et ensuite on ira là où tout le monde va. Mais le truc c'est que tout le monde va là, du coup il y aura pas assez d'armes pour tout le monde, c'est pour ça que je n'y vais pas. Oh, cette SMG elle est encore aussi dégueulasse qu'avant. Hein. Je pense que ouais, vous avez peut-être raison, c'est peut-être quand des gens prennent les mechas que ça fait ça. Ouais, j'espère que vous voyez que là il y a personne qui va prendre un mecha. Hein. En fait, le truc c'est que le mecha il se bug. Le mecha il bug et du coup, je pense que c'est ça qui fait bugger les serveurs. Ils devraient retirer les mechas, moi. Je parie que ça va être ça, les gars. Vous allez voir. Ils vont mettre. Nous avons retiré les mechas temporairement suite à un bug. C'est sûr, ça va être ça. Ok, putain, j'ai beaucoup de trucs là en vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, pour l'instant ça bug pas. C'est une bonne chose. Ok. Y'a rien là-dedans? Nickel. Alors, je me suis pas encore chauffé, les gars. Alors, toi, deux têtes directes. La saison 10 commence bien pour toi, mon pote. Hein. Elle commence très très bien pour toi.
Retour au lobby direct. Oh là là. Ça doit être ça va être horrible de commencer la saison comme ça. On va aller check ce gars là et ensuite on ira du côté des usines de scie et tout. Ok. Oh là. Ok. On va tomber sur des gros noobs, je le sens bien. Ok, le fusil à pompe toujours là, évidemment, les gars. Évidemment. On va garder ça. Ah bah, cette saison, les gars, elle commence pas super bien. Sincèrement. Ah bah non, pas si bien que ça, au final. D'où il me tirait dessus, là? D'où il me tire dessus? Pff, le mec m'enlève masse PV, mais ok, d'accord, il est là. Non, tu vas pas rester là, mec. Hein. Voilà. Ok, allez, salut. Du coup, on va aller côté de Steve, etc. Peut-être qu'on va aller au crâne d'abord. Au crâne, en vrai, on n'a pas encore été. En vrai, qu'est-ce qui a changé? À part avoir mis des arbres de couleur. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Voire même rien du tout, en fait. Bon, c'est un peu plus beau, c'est un peu plus joli, voilà. Mais je pense que c'est tout. Pourquoi la vidéo setup fin d'année? Tout a déjà été fait, c'est génial! Oh là. Comment on peut laisser une arme pareille? C'est un mec qui l'a laissé cette arme. Hein. Oh non! Ok. Oh, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est bon, ça. Oh, il y en a encore. Du coup, allons découvrir de style dépôt qui est hors zone. On le découvrira pas maintenant. Voilà. Non, ce sera hors zone. On va aller quand même par là. Vous le verrez de loin. C'est déjà bien. Parce que là, c'est en fait, c'est totalement hors zone. Et la météorite aussi, c'est hors zone. Et Grizzly n'a toujours pas bougé. Je trouve que cette zone est assez jolie. Ouais, là ça, c'est... Ils ont bien coloré le truc, c'est ça, c'est cool. Mais en soi, c'est pas un changement majeur. On aurait pu faire mieux, je pense. Et non, y a pas de Grizzly, les gars. À votre plus grande déception. Ils n'ont toujours pas nerf les pièges. Et je l'aurais pas. Loot Lake. On va aller voir ça. On va aller voir Loot Lake du coup à la place, les gars. On va voir ce qui a bougé à Loot Lake. Et de toute façon, on va refaire plusieurs games. Ne vous en faites pas, on va pas s'arrêter là. Il y a Jump Pad. Ça, c'est une blague, hein, mec là. Il me suit. Oh là là, l'overbuild direct. Vas-y, je t'en prie. Ah, GG à lui. Il était fort, lui.
Il était fort. Ah oui, vous allez pas tomber que sur des bambilés. Hein. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr et certain que je tomberai pas que sur des bambilés. Bon, on aura peut-être l'occasion, du coup, d'aller à Dusty. Hein. Je vous remonte vite fait la passe de combat. Ce skin là c'est le plus stylé. Je dél la rage depuis 2 heures, je suis à 92%. Ça c'est la bonne connexion. T'aurais plus le piège, non? Non. Non, non. Jamais de la vie. J'aurais mis le piège mais je serais mort dans tous les cas. Donc ça n'aurait pas servi à grand chose. Y'a plus les bulles. Bah ça c'est cool Camille. Tu devrais être contente. Moi je suis content. Elle est bien la saison 10. Franchement pas si bien que ça. Je la trouve pas si ouf que ça. Oh, y'a un mecha. Nickel. On va aller à Mega Mall du coup. Ok. Le mecha, je ne vais pas l'utiliser. On va aller à Mega Mall les gars. Et ensuite, on se redirigera vers Dusty, vers l'usine. Oh, ça va faire plaisir de la retrouver en Battle Royale. Et d'abord, on va à Mega Mall. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde, en fait. Il y a beaucoup trop de monde à chaque fois. Ok. On est tombé sur la seule maison où il n'y avait pas de coffre, c'est ça? Yes. Voilà, toujours autant de chance, hein, saison 10. Hein. Oh, cette arme! Supprimez-la, cette arme! T'as rien à faire! Rien à faire ici! Je comprends pas Epic Games, ils suppriment des armes qu'on utilise plus que cette arme. Cette arme, personne n'utilise, on est d'accord. On va monter. Donne-moi ça. Ça dégage. On a enfin un coffre. Ok. Enfin quelque chose de potable. Et je pense que quelqu'un a pris le mecha. On l'entend. Je pense qu'on l'entend en fait quand quelqu'un prend un mecha. À moins que ce soit le bruit de la météorite. Je pense que c'est le mecha. Mais what the fuck? Ah non, c'est les mechas qui descendent, je pense. Ok, les mechas, ils apparaissent pas directement, à mon avis. On va boire ça, et ensuite on ira vers l'usine. Ok, oh là là, vas-y, je prends les mini. J'ai des bonnes armes grises, hein. Oh là là, cette saison 10, ça commence tellement bien. On va aller vers l'usine, les gars. On va aller voir si s'y passe. On va aller voir s'il y a des gens qui utilisent le mecha. Franchement, vous vous prenez une rafale de mecha dans la gueule, vous mourrez. C'est certain. Voyons voir. Voilà, bah oui, bah le mecha est passé par là. Hein. Ah, je le savais, il avait plus de vie. Ça prend tarif ici, ça retourne au lobby direct. Hein. Voyons voir ce que vous aviez d'intéressant.
Bah pas grand chose. Vous étiez plutôt pauvre. Oh par contre ils avaient de la construire hein. Oh, y'a un mec qui a chopé à la main. Ok. Je pense que tout a été fait. Oh le méca il s'est barré direct. Il a tout pété le méca. On va prendre ça, on va prendre des smokes. Et on va aller vers Dusty les gars. Bon bah du coup l'usine, il n'y a plus grand chose à voir en fait. Mais c'est cool franchement que ce soit revu. C'est une bonne chose. Il y avait tellement rien au milieu entre Megamall et Dusty, il fallait vraiment qu'ils mettent quelque chose. Et le retour des usines, bah tout le monde attendait ça donc c'est bien, c'est même très très bien. Est-ce que c'est pas un pompe chasseur là-bas? Bah non, c'est un revolver en fait. Je suis vraiment une taupe. Il est cheaté le méca, ouais. Ouais. Il est un peu cheaté. En fait, c'est ses missiles qui sont un peu cheatés. Mais en soi, t'es super vulnérable. T'es super vulnérable à la place du conducteur. Donc je suis pas sûr que ce soit si cheaté que ça. Il y a encore des coffres ici, je l'ai entendu. Attendez, ça s'y était ça? Je crois pas. Je me souviens plus. Alors logiquement... Attends, il y a un coffre. Hein. Alors là, putain, j'ai rêvé. J'ai totalement rêvé, en fait. Il n'y a plus de coffre, il n'y a plus rien. Et c'est normal, les gars. Tout le monde va au dépôt. Normal qu'il n'y ait rien. Par contre, je m'attendais à ce qu'il reste quand même des gens, mais non. Tout le monde est parti. Sans moi. Oh! M'a tiré dessus. Ah merde. Il y en a plusieurs mec, bah oui. Au cas où tu l'avais pas remarqué en fait. Oh là, mais c'est quoi ce monde là d'un coup là? Putain, j'ai la pompe à chier là! Tout le monde a des bonnes pompes sauf moi! Ouais, ça dégage. Ça dégage, mon pote. Ah putain, attends, parce que là il y a la zone. Ah putain, je vais mourir. Oh là, j'ai pas eu le temps de prendre le pompe chasseur. Ouh, c'était chaud là.
j'avais peur de tomber. Je suis tombé par moi-même. Ah putain, je pensais pas que j'avais aussi peu d'HP que pour mourir. Bon! Bah on recommence les gars, j'ai pas le choix. Reparti. Oh! Non mais aussi ça tryhard! Putain, je découvre la saison et y'a des gens ils tryhardent comme des malades! C'est dingue ça! T'as déjà fait top 1 saison 10? Bah là mec, c'est ma deuxième game je crois. Donc non. M'en demande pas trop, on est même pas à la première heure de la sortie de la saison 10. On est même pas à 15 minutes, enfin à 15 minutes près on sera à 1 heure. C'est vraiment ça saison 10? Ouais, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de la map. Même s'il y aura des changements à l'avenir, c'est trop long. C'est beaucoup trop long, ça va être une saison très très longue. Et je m'attendais vraiment à des choses différentes en fait. Pas un vieux méca de merde, on s'en fout. Franchement, je m'attendais vraiment à des énormes changements au niveau de la map, des nouvelles choses qu'on pourrait apprendre. Mais non, on a juste un vieux méca là. M'en fous du méca. Hein. En vrai, j'aimerais bien aller à Dusty ou à l'usine, les gars, mais vous allez voir le monde qu'il y a. On va aller directement à Salty. Hein. Non, mais c'est mort. Hein. En fait, je vais à l'usine, je meurs, simplement. Du coup, on va pas aller à l'usine. Vous savez quoi? On va aller là. Et on va se rediriger vers l'usine. Ça, ouais. Je pense que les mechas ils pop à des endroits. À des endroits différents en fait. D'accord. Si vous êtes en train de me dire que j'ai pas de shield, j'ai rien. J'ai même pas un pompe. Y'a pas un truc dans le coin là? Oh yes! Oh cette arme! Incroyable! Ah ok, y'a un coffre là. Dommage. Alors on pourra pas l'avoir au corps à corps lui, c'est sûr. Dommage aussi. Il est parti à droite? Non, quel enfer. Vas-y, je vais partir à droite aussi, non? Il me faut au stuff, en fait. Il y a un mec près de moi. Oh là là, ce pompe. Trop gentil de me l'avoir laissé. Hein. En plus, il n'y a même plus de... Ok, c'est bon. Merci bien pour ce feu de camp. Trop généreux, hein. Ah, franchement, les gens, ils sont vraiment généreux. Hein. Saison 10, ils sont sympas. Bon. On va se mettre full. Putain, ils avaient des bonnes armes à chier quand même. Hein. Ok, il y avait un mec ici, logiquement. On va aller check ça. Ah, l'usine, ça va être un gros spawn, hein, c'est sûr. Il va avoir énormément de monde, je pense, à l'usine. On va aller recheck ce bâtiment-là.
C'est un bâtiment où je mourrais souvent ici. La mort, c'est souvent mon quotidien ici. Hein. À l'époque. Mais non, ça va changer. Ok, c'est pas loin. Damn. Non mais... Non mais mais non mais... Mais oui, allez-y ensemble aussi hein. C'est fou ça. L'autre sniper là derrière. Il allait me foutre le seum lui hein. Ok. Raté. Et on va aller chercher le sniper qui est derrière. Ou bien le mec qui est là. Non, le sniper qui est derrière, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que comme ça, je me fais pas backstab. Y'a pas de double pompe, les gars. Au cas où. Et lui, c'est le sniper qui était derrière lui. On va attendre qu'il bouge pas. Ok. J'ai voulu pré-shot, c'est pas passé. Oh putain, mais c'est... D'où il lâche un sniper comme ça, là? En fait, y'a... Ok, c'est bien, c'est bien. Oh. Ok. Oh là là. Mais d'où tu me... Non mais attends. Mais pardon. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois là. Putain le méca. Ah ça va me saouler là. Go... Mais putain. Oh putain, j'en ai marre de ce jeu. Le méca, il a balancé ses roquettes. Je suis tombé comme une vieille merde. Une merde, mon pote. On continue, évidemment, notre lancée dans cette magnifique mise à jour, cette magnifique saison. T'as trop de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'était quoi les missiles? C'était le mecha. Le mecha, en fait, c'est un robot qui balance masse missiles et qui détruit toutes les structures. Et en fait, j'ai voulu reculer parce qu'il y avait un mec qui me rushait en plus de ça. Et je suis mort de chute, encore une fois. Saison 10, putain. Plutôt à chier, ouais. Ouais, ouais. Plutôt à chier. Soit Mega Mall, soit... Vous savez quoi, on va aller un peu... À... Ouais, vas-y, je sais pas. On va aller un peu après Cher. On va aller voir s'il y a d'autres choses qui ont changé. Franchement, ça me donne... pas envie de jouer. Bah moi pas non plus. Je m'attendais vraiment à des changements de ouf. Je suis très déçu. Et en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce qui nous tient là par rapport à Fortnite? Qu'est-ce qui nous donne encore envie de jouer?
Quand dans la nouvelle saison, bah t'as des choses qu'on retrouvait déjà dans les saisons précédentes. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ah oh putain, je l'ai même pas eu le kill quoi. Damn! Oh là là, ces pièces sont tellement remplies de stuff! Lui, on l'aura pas. Lui, ça va être un gros tryhard de l'enfer. C'est sûr. Ah, une petite AK là. C'est toujours plaisir ça. Des grenades, une SMG. Ça, je sais pas ce que c'est un bruit bizarre. Je pense que c'est le mecha qui apparaît. Truc dans le genre. Il a pas bougé le mec. On va aller chercher. À la limite, ouais, le mode arène ça peut être intéressant. Ouais. Mais y a rien d'autre d'intéressant. C'est ça qui est assez décevant en fait. Alors, les autres youtubeurs vous diront certainement qu'ils sont ultra hypés. Que c'est la meilleure saison du monde. Mais non. Ils pensent certainement que c'est de la merde, mais pour vous faire plaisir et pour rester dans la hype, ils vont dire que c'est trop bien quoi. Alors que non. Après, il y en a peut-être que ça leur suffit, tu vois, des changements aussi basiques et aussi simples. Ça leur suffit peut-être. Mais moi, ça me suffit pas. Oh là là, mais... En vrai, je sais pas où il est passé, lui. Mais c'est quoi, toutes ces... Oh, mais il y en a beaucoup, là. Je sais pas. Mais regardez, il est toujours là. Oh, mais là, t'abuses, hein. Ah, il est là-dedans. Ça dégage, mon pote. Ça, c'est des moves. Et tu ne comprendras pas. On va prendre le pompe de guerre. Ah, il s'est totalement cru en arène, ouais. Quoique, je vais mettre des têtes au snipe là, hein. Y'en a marre. Ok, on est parti les gars. On va farmer ces belles palettes. Et on va prendre ce bon pompe. Donne-moi ça là. Du coup là, sincèrement, je vais être sincère avec vous les gars. J'espère vraiment qu'il y a un nouveau jeu qui va venir concurrencer Fortnite. Je sais que ça n'arrivera pas parce que ça demande énormément d'argent. Chose que toutes les entreprises n'ont pas. Mais j'espère vraiment qu'il y a un truc qui va venir concurrencer Fortnite parce que... Franchement, on risque de s'emmerder en saison 10. Hein. On risque vraiment de s'ennuyer. Là, la seule raison qui va me pousser à faire des vidéos pour vous, c'est que, bah déjà, je le fais pour vous.
Et c'est juste que ma chaîne est basée sur du Fortnite. Et du coup, ben, je vais rester un petit peu sur le thème Fortnite pendant quelques temps. Je sais qu'il y a un jour, les gars, où je vais changer. Où je vais faire un peu de multi-FPS, on va dire. Je vais continuer à faire du Fortnite, mais je ferai du multi-FPS. Mais là, en soi, en voyant la saison 10, mec, je sais même pas ce que je vais pouvoir vous proposer comme contenu. Parce que là, y a rien. Jouer à Minecraft, c'est la concurrence en ce moment. Ouais, mais sur Minecraft, je vois pas quoi faire en fait. Je vais faire ma petite maison tranquille. Déjà, en fait, je kiffe vraiment Minecraft, hein, mais je vois pas trop ce que je pourrais faire. On verra. Apex, etc., les gars, ça arrivera sur Twitch, mais uniquement en 2020. À partir de l'année 2020, les gars, il y aura beaucoup de contenu sur Twitch qui arriveront. Là, la chaîne Twitch est à l'abandon, sachez-le. Mais en 2020, il y a un gros projet de stream qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. Et ça va être vraiment cool. Je pense que vous allez kiffer. Ce sera du multigaming, c'est-à-dire qu'il y aura du Fortnite, du Apex, le nouveau Call of qui arrivera. On y jouera aussi. On fera plein de jeux. Mais on jouera pas qu'à Fortnite parce que Fortnite, c'est. Pff. Là, je suis vraiment très déçu. Alors, les gens qui disent que Apex c'est de la merde, c'est des gens de mauvaise foi. Vous pouvez pas dire ça. Juste parce que vous aimez Fortnite, vous pouvez pas dire que c'est de la merde. Hein. Merde, putain, je suis vraiment un gros débile, j'avais un sniper. Et en plus, j'ai raté toutes mes balles. Oh putain. Putain, je rate toutes mes balles là. Je rate toutes mes balles. Insane. Là, ce sniper, par contre, c'est une bonne chose. Il est vraiment bon ce sniper. Au moins, on a encore des armes kiffantes à jouer, les gars. Il manque plus que le retour du Space 12. Quelques armes kiffantes, peut-être. Et peut-être que l'hype reviendra. Mais là, pour l'instant, sincèrement, je suis très déçu. J'ai zéro hype. Ah, il me semblait bien que j'avais vu un mec. Wouh ! Oh, la saison 10 ! Elle commence mal pour toi aussi, mon pote ! Oh là là ! Elle est horrible pour toi ! Horrible ! Ouais, je vais prendre ça. Tiens, rien. On va voir ce qu'il avait, le bonhomme. Oh, il a pas kiffé, hein. En vrai, oh, j'hésite à prendre le barrette ou... Ah, oh, il avait mis un jump pad. La tristesse. Oh putain, mais il était full mat, lui. En vrai, il y a l'animation ici, elle est quand même stylée. Faut dire ce qu'il y a, ils ont fait quand même du sale boulot. Mais je pense qu'ils ont basé toute la saison 10 sur cette météorite en l'air. Je pense que... Bon, les gars, aujourd'hui, on va faire du gros boulot pour la saison 10. Ouais, on va faire quoi? On va changer la map? Non. Vous allez mettre une météorite en l'air, là. Et on va faire toute la saison 10 basée là-dessus. Ok, d'accord. D'accord, chef. Ils aiment bien les bastos au sniper. Hein. Les bastos au sniper, ils adorent ça. Ouais, je sais que je peux monter dessus. Ouais. Je sais que je peux monter dessus. Oh! Il vient, vas-y.
Bah GG mec. Il me tire avec quoi là? Il me tire dessus avec quoi celui-là? T'as en vrai l'arme, il me casse les couilles. Genre il me touche. Et d'où il me tire dessus lui? Mais quoi? Non! Mais putain, c'est OP là! Il rend ouf ce méca là! Putain, pourquoi ils ont mis ça dans le jeu? C'est pas possible! C'est pas possible! Oh! Ah, je vais devenir fou avec cette mise à jour. Je vais devenir fou les gars en saison 7. Je vais devenir fou les gars en saison 10. C'est horrible! Ce robot, mec, il s'est mis sur l'arbre. Il a balancé ses roquettes, ça m'a enlevé tous mes PV. Et le mec a juste à rusher, à tout péter. Il s'en bat les couilles, il a un bouclier, enfin voilà. Pas de soucis pour lui. Pas de soucis. Ils ont vraiment osé mettre un mecha. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'avoir mis un mecha, les gars. Oh là. Si je viens d'arriver, bienvenue à toi, cœur gelé. Je viens de me faire déboîter par un mecha. Voilà. Pour ton information. Où est-ce qu'on va? Allez, je vais appeler dans le parc. C'est pire que l'avion. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Quoique l'avion, c'est en fait le problème avec l'avion, c'est que c'est du spam. Et là, le robot, c'est que c'est du gros dégât. Et le mec est quasiment invincible en fait. Tire dans la tête du mecha, le bouclier orange va bouger et tu pourras le tuer. Bah oui. Bah, écoute, je sais, je le savais, Kings Games. Mais si c'était aussi simple. J'ai pété son bouclier. Hein. Sauf que lui, pendant que je pétais son bouclier, il était en train de charger ses roquettes là, de merde. Et ensuite, vu qu'il m'a bien touché avec ses roquettes de merde, alors que j'étais protégé par mes constructions, eh ben du coup, j'ai pas pu le tuer. Oh là là, putain, par contre là je suis bien stuffé au niveau du shield. Par contre au niveau des armes c'est assez scandaleux aussi. Et lui il a un pompe chasseur. On en parle ça?
Pendant qu'il y en a qui ont des pompes chasseurs, moi j'ai des pompes de... Bien à chier, tu vois. Ok. Ah merde. Il y a encore un mec qui est en train de m'observer. Voilà. Il se fait rusher, je crois. Oh, il avait vraiment plus de vie, lui. Hein. Pour lui mettre un moins 9, il devait vraiment plus avoir de vie. Hop, on va prendre ça. Ah merde, c'est pas moi. Évidemment. Je vais péter un plomb. Où était le mec qui tirait là? Tu tirais à la cab, l'homme? Je regardais où est le stuff du mec qui est mort. Ok. Alors les changements, bah les changements sont assez pourris. Ils ont ajouté un gros mecha bien cheaté. Ils ont remis, bah ça c'est une bonne chose, ils ont remis l'usine et deux petits dépôts. Le truc c'est qu'il n'y a que ça comme changement. Et pour une saison qui s'avérait être incroyable, etc. Je m'attendais vraiment à des choses beaucoup plus importantes comme changement. Beaucoup plus fun. Et c'est loin d'être le cas. Ça dégage. Ça prend une SMG. Alors il y a un mec encore ici tout près. Parce qu'il était en train de se fight le mec. Attends, il est pas loin. Oh là, il a failli me la mettre. Hein. Il a failli me la mettre, le petit bonhomme. Ok, on s'en est bien sorti. Ça dégage. On va aller récupérer notre vie avec un petit feu de camp des familles. Sachez les gars qu'il y a une vidéo qui sortira du coup demain sur cette nouvelle saison. Alors j'hésite à faire une toute nouvelle vidéo ou à utiliser le live pour faire... je pense que j'utiliserai le live pour faire la vidéo. Ce sera un montage comme vous avez l'habitude d'avoir évidemment. Le retour des résolutions étirées prochainement, tandis quoi. Moi j'utilisais déjà pas les résolutions étirées. Donc c'est cool pour les joueurs pro, mais pour moi, je m'en fous un peu. Tu sais, ça ressemble à quoi le parapluie du top 1? C'est quasiment le même que l'année passée, sauf qu'il y a des rainures assez stylées, un peu futuristes comme ça. D'ailleurs, si on faisait top 1 là, bordel. Vas-y, go faire top 1. Hop là. Non, je suis pas joueur pro, Nolan. Je suis youtubeur, streamer, c'est tout. On va aller à Loot Lake, les gars. On n'a pas encore été à Loot Lake, si ça se trouve. Il y a un truc énorme qu'on a totalement loupé. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. C'est exactement la même chose. Voilà, ça a juste un peu explosé, quoi. Mais en soi... Rien n'a changé. Grosse référence à je ne sais plus quel chanteur. Du coup, il n'y a personne ici ou quoi? Ah, j'entends des tirs.
Ils ont vraiment mis tout le budget. Ah ok, ici on a un apesanteur. D'accord. Damn, j'aurais pu l'avoir. Ah putain, il est plus en apesanteur là. On va se mettre en dehors de la zone apesanteur parce que là on va se faire sniper mon pote. Voilà. Ok. Assez stylé quand même cette zone d'apesanteur en fin. Non. Mais genre ça a tiré quand même. Mais cas de merde là, ça t'apprendra. Hein. Le truc ça a tiré quand même quoi, je rêve. Oh, je m'attendais pas à ça par contre. Oh ah, putain. Je fais vraiment ouvrir la partout de la map, ça me saoule. Et tu dégages, hein. Ils prennent tarif là les mecs, hein, saison 10 hein. Mais moi aussi je prends tarif. C'est ça le problème. Un énorme problème ça. Putain, vous entendez le Mika là? Vous l'avez pas entendu? Attendez, vous allez bientôt l'entendre hein. Ok, il y a feu de camp. On va mettre le feu de camp tranquille. Où est-ce qu'il est? Les mecs là, montre-toi. Je sais que tu es là. Ne te fous pas de ma gueule comme ça. Ok, on est bien. On va peut-être prendre le mec. Ah non, il y a plus beaucoup de PV au mecha. Attendez. Oh là là, mais il reste tellement de PV au mecha. On va prendre la PM bleue. Non, PM bleue, j'ai dit. On va essayer de jouer avec le mecha. Ça va être scandaleux, on est prêt. Let's go. Alors va falloir que j'assure les gars. Alors juste un truc. Surcharger bouclier. C'est Q. Ok d'accord. Je regarde un peu les touches. M'a dit je vais les dépop là. Tout le monde qui me dépop au mecha, je vais les dépop. Regardez-les là-bas. J'avoue, ils ont enlevé la bulle pour mettre cette merde. J'avoue. Oh ouais, pas de ma gueule mec hein. Y'a un mec ici ou pas? Où est-ce qu'il est? Ok. Oh ça a explosé. Y'a un mec qui me tire dessus. En fait, ils étaient deux à me tirer sur le mecha. C'est pour ça qu'il a explosé aussi vite. Tout s'explique. Mais du coup, je sais pas où est l'autre. Ça dégage.
Ça me rush, mais ça dégage. Et toi aussi, tu vas dégager, mon pote. Tu prends des balles direct. Oh, y'a un mecha ici aussi. Attends, on va peut-être le prendre, attendez. Est-ce que je suis un gros FDP ou pas? Je pense qu'on est un gros FDP, les gars. Je pense qu'on l'est. Où est-ce qu'il est, là? Ça, ça dégage. C'est OP. Oh tiens, on va retirer la boule et on va mettre un gros mecha qui peut tirer des gros missiles. 10 exactement. Et on va lui mettre un gros fusil à pompe. Une grosse mitrailleuse. Par contre, on enlève la bulle, hein, on est gentil. Ah là là, putain, il me saoule Epic Games. Ils sont où là? Vous savez quoi, on va aller dans la zone parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Merci Cap VGR. Le mec est surprime, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Oh, je vais prendre son feu de camp. Le mec a rien vu venir. Oh là là, on est à 9 kills avec cette machine de l'enfer. Quel intérêt d'avoir mis un mecha? C'est pas... Il y a peut-être des gens là, attendez. Il y a peut-être des gens là au fond, mais ça va être dur de... Ah, je vois un mec là-bas. Je vois un mec au camion, les gars, mais il y a peut-être des gens dans mon dos encore. On va faire attention à ça. Je voudrais pas les oublier, ce serait dommage. Est-ce que quelqu'un se cache ici? T'as bien de la chance. Oh, il y a des mecs là-bas. Cheater, non. Ah non, non, non. Non, c'est pas cheater, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. C'est scandaleux. C'est scandaleux d'avoir mis ça. Je les ai tués. Aucun effort. Je les ai fait aucun effort. Ils sont morts. Oh là là, tellement scandaleux ce truc. Merde, j'ai pas le pompe de guerre, j'ai pas...
Ah le bâtard, il m'a fait tomber. Ah oh, le petit filou. Ah il pique là. Pique que je t'atomise un peu là. Ah ça ose pas pique. Oh là là la merde. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer assez safe. Merde. Ah j'ai tiré. Ça fait quoi? Hein? Ça fait mal un petit peu, non? Ah ouais, hein? Ah, ça picote, hein? Pas très agréable, hein? C'est pas super agréable, là, ça, hein? Je comprends. Il va encore tout faire tomber l'autre là. C'était tendu les gars, hein. Pas vous mentir. M'attendais à mourir. Merde. Hein. Est-ce que j'ai encore un feu de camp, moi? Non, j'ai plus rien. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Oh là là. GG mec. C'est de ma faute, je suis tombé comme une merde. Ah ouais, ça, quand on campe, mec, ouais, on peut faire top 1, ouais. GG. Ah, mais c'est de ma faute, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre sol et pyramide. C'était quoi, cette récompense? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, les meilleurs joueurs récompensés, toujours, les gars, hein. Bon, on continue, c'est dommage, j'aurais pu faire un beau top 1. T'en penses quoi la saison 10? C'est pas la meilleure des saisons. Loin de là, très très loin de là. Le truc, c'est qu'il nous retire des trucs sur lesquels on râle pour mettre un truc encore plus pété. Comme par exemple le mecha. En termes de changement au niveau de la map, il y a eu Dusty et l'usine qui sont réapparus. Ils sont pas foulés parce qu'en fait, ils ont rien créé en fait.
La seule chose qu'ils ont créé, c'est la zone d'apesanteur ici, les effets 3D ici, et bah, la météorite en 3D à mon avis. Ils ont mis tout le budget là-dedans, et voilà. Ils sont pas fait chier. Nouvelle saison un peu comment dire, un peu décevante. T'aurais aimé quoi pour la saison 10? J'aurais aimé le retour du Grizzly. J'aurais aimé un changement au niveau de pressure plant et des villes dans lesquelles on a l'habitude d'aller. Changement au niveau de Paradise, un changement au niveau de beaucoup de villes en fait. Megamall, ils étaient pas... franchement, ils devraient pas y toucher, Tilted non plus. Je me suis pris la météorite, tout je rêve. Hein. Oh non, tu vas pas au même endroit que moi. Oh merci. Parce que moi j'aime pas ça. Hein. Les gens qui vont au même endroit que moi, j'aime pas ça du tout. Ok, on a le meilleur pompe du monde ici. Hop! C'est pas trop bien ça? Oh putain, y'a que ça? Non, mais c'est fou ça! Ah, y'a quand même un coffre. Ah, minigun légendaire! Exactement ce qu'il me fallait pas! On va voir ça. Je n'aime pas le robot, mais pourquoi tu l'utilises? Bah parce qu'il est dans le jeu. Il est dans le jeu, il est OP. C'est pas pour autant que... C'est pas parce que je l'aime pas que je vais pas l'utiliser. Il est OP, je veux dire. Ça n'aurait aucun sens si je l'utilise pas. Hein. Mais ça veut pas dire que je l'aime bien. Loin de là. Mais ta spam, ça n'a pas changé mon pote en saison 10. Ok, on a une petite slurp. Hop là. On va prendre les mini. On va se mettre bien là. Donne-moi ça. J'ai toujours pas d'AR. Mon AR c'est un minigun. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Y'a personne qui est venu là? What the fuck? C'est pas possible. Vas-y. Mais t'as spam, j'utilise le minigun, je m'en bats la race. Ok. Aïe, mais y'a un mec là, qu'est-ce qu'il fait? Attendez quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, y'a un mec là en fait. Ah, tu vas faire quoi, mon pote? Il va faire quoi, lui? Je comprends pas, moi. Ah là là. Bon, les gars, on s'en est très très bien sortis à Paradise. Cette métaspam, toujours présente. Elle est toujours là. Y'a pas de souci. Et du coup, on va aller à l'ouest. Y a pas de faille en plus de ça, c'est génial. Minigun égale best arm contre le robot. Ouais, ça peut être, ouais. Peut-être. Ça lui foutra une petite pression et je pense que ça va les détruire assez rapidement. Lascar, tout à l'heure j'ai spammé à Lascar, ça a détruit assez rapidement la bulle de protection là. Mais en soi, ça reste quand même très fort le mecha.
Un peu trop. OP, ça veut dire quoi? Ça veut dire overpowered. Ou overpower. Je sais pas exactement le bon terme, mais ça veut dire trop puissant si tu veux. Oh. Nickel. Rien d'intéressant. Là non plus. Ce sniper, les gars, franchement, c'est un des meilleurs snipers du jeu. Si vous préférez le sniper coup par coup, je vous comprends pas. À la limite, si vous préférez le barrette, je vous comprends, mais là, le sniper est vraiment bon. Tu peux expulser les gens du mecha en utilisant les boogies. Ah, ça, certainement, ouais. Ça, t'as peut-être raison. Faudrait peut-être que je teste, d'ailleurs. Mais c'est quasiment certain. Mais bon, c'est quand est-ce que tu te promènes avec des boogies dans ton inventaire 1000 games, jamais. Tu vois. Ouais les gars, si vous achetez le pass de combat, n'hésitez pas à mettre le code créateur physique TV. Hein. Il est écrit en haut à gauche, oubliez pas physique, c'est avec un Z très important. Il y en a beaucoup qui font la fonte. Et ça me ferait vraiment très plaisir, merci à vous en tout cas si vous le faites. C'est moi où il y a personne là. Il y a personne dans cette ville là. Je vais prendre le PM bleu. Hop. Il se passe pas grand chose là, les gars, je suis désolé. Y'a plus les bulles? Non, mais tant mieux. Ça aurait été mieux si cette méta était basée sur le skill. Si Fortnite était déjà basé sur le skill, ça se saurait. En fait, Fortnite, c'est... Vous avez vu Bugga? Bon, Bugga, il a un skill incroyable. Mais c'est principalement de la construction, du positionnement, Fortnite. Si c'était du skill au niveau de l'aim, ça se saurait, vraiment. Après, l'aim compte, hein, mais pas autant que sur d'autres jeux. Oh putain. Putain, j'arrive... Arbre de merde! Il avait quoi comme stuff, lui? Okay. J'ai un feu de camp, enfin j'ai deux feux de camp, donc je m'en bats un peu les couilles. Alors j'espère que je vais pas être vu direct. On va attendre un peu avant de se fight. Double pompe, ça marche pas non le gars. Ah mais y'a un mec là aussi. Ah oh, je pensais que c'était lui. Bah oui. Je vais te le dire tu vois. Où est-ce qu'il est? Oh.
putain. Je me foire. Putain, tu vas mourir avec moi, espèce d'abruti! Eh, je te jure. Oh là là, putain, il y en a, ils sont vraiment mais débiles. Hallucinant quoi. Y a pas un mecha là? Ah mais je vais mourir. Ah, y a un mecha, attendez. Peut-être que grave, hein. Attendez, faut là. Non, je suis mort en fait. J'arrive même pas à péter le sol. Je vais mourir. Nixas. Tadadam, tadadam. Tous les gars spawn Dusty. Ouais, mais ça c'est sûr. Ah, mais j'étais mort, les gars. C'est... c'était mort. On peut être Transformers. Ouais les gars. Vous êtes ce que vous voulez. Dans cette saison les gars, vous pouvez incarner un mecha, vous pouvez péter la gueule de tout le monde avec des lance-missiles qui détruisent absolument tout ce que tu veux. T'as quitté, t'as pas eu l'XP, je m'en fous un peu de l'XP en fait Arthur. On va aller à Pleasant Park. Merci Laurent. Maintenant on peut pas sauver de la zone, y a pas de véhicule. Bah en fait, il y avait les plateformes avant, du coup ils ont enlevé. Ils ont enlevé les plateformes, ils ont enlevé les tunnels d'air. Sauf à Mega Mall. Bah c'est pas vraiment un nouveau jeu, Yo-Yo la Tomate. Ils ont juste ajouté le mecha et c'est tout. En soi c'est tout. Tadam, tadam, tadam. On va aller dans cette maison à chier. Quoique depuis qu'ils l'ont refaite, elle est beaucoup mieux. Et il y a un mec qui atterrit pas loin de moi. Je vais tuer plein de gens avec ça, dis donc. Ok. Alors, on va mettre ça là. Y a pas de coffre là-dedans. Mais y a un coffre ici. Ça, ça vaut de l'or. Oh là là, ça aussi ça vaut de l'or. Y'a quoi au squelette du monstre? Y'a des arbres. C'est tout. Des arbres roses. Pour l'instant on n'en voit pas trop l'intérêt, mais c'est ce qu'il y a. Et j'ai encore une fois le... J'ai encore une fois le pompe un peu dégueu. On va prendre ça. Ok.
Oh, on l'a bien laser, hein, n'empêche. Ça se tape là-bas. Il a pris le tarif. Putain, ils sont trois là-bas. Mais il y a encore un mec dans la maison ici à côté. Oh, putain, il faut vraiment un autre pompe que ça. Oh putain, ça fait peur. C'est vraiment de la merde ce pompe. Hein. Putain. C'est vraiment de la grosse chiasse ce pompe. Ça marche à pied, à tout de suite. Tu trouves comment la saison? Pas ouf. C'est pas la pire, mais elle est pas ouf. T'inquiète, Columbinerie. Je gérerai au pire. Allez, on va changer un petit peu de destination, quoique... En fait, l'outlake, c'est chiant parce qu'il y a de la gravité. Du coup, on va pas pouvoir se déplacer tranquillement. On va retourner... La vengeance de Pleasant Park. T'aimes bien la map? Non. Bah, en fait, ils ont fait deux changements et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents, alors que c'est la plus grosse arnaque du siècle. La pire arnaque, mec. En vrai, je préférais la 9, ouais. Sans vous mentir. Hein. En vrai, moi, quand j'étais dans la saison 9 et que j'ai vu tous les changements qu'il y a eu au niveau de la map, j'étais plutôt content. Saison 8, elle était assez pourrie aussi, j'aimais pas trop. Même s'ils ont fait un changement au niveau de Loot Lake, moi, j'aimais bien l'ancien Loot Lake. Let's go! A toute Columbinerie. Merci Bobaskill, bienvenue à toi! Et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis. On va aller dans cette maison. Alors, est-ce qu'il y a un coffre? Toujours la surprise. Alors des fois il y a des... J'allais dire il y a des mecs mais là il y a rien du tout. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on a des bonnes armes quand même. Par contre on n'a pas de shield encore. Open the door. Ok. Damn. Ah là il nous faut un peu de shield. Quand même. Dans ce coffre, par exemple. Et non. Ah, ok. Bon, il y a un mec là. Ah, tu t'en sors pas comme ça, hein, c'est mort. Il avait rien du tout, lui. C'est dingue de rien avoir comme ça. On va prendre ça. Quand même vachement fort. On va boire ça aussi. Et y'a personne. Alors s'il est venu vers moi, c'est qu'à mon avis les maisons étaient déjà prises. Ah je l'avais vu. Ah putain, genre. Mais il a combien de grenades?
Tu dégages. Tu dégages. Merci pour le don, Coco Gaming. Le bon nom de 2€. Coco Gaming, il s'en fout. Il avait encore des grenades en plus. Hein. Il s'en fout, il fait sa pub, Coco Gaming. Mais merci à toi quand même. Par contre, lui, je lui dis pas merci. Parce que c'est un énorme bâtard. Et d'ailleurs, tu prends ça dans la gueule. Allez! Oh là là! Oh! Alors là, mon gars, c'était en plein dans la face, hein! T'as combien de shield, toi, par contre? Le mec a 1000 de shield, là! Ah, GG. GG. Ah, quand on a 3 gourds du brave, 5 gros shields et 1000 popos, on peut pas faire grand chose quand même. Merci pour le don d'un euro encore, Coco Gaming. Merci à toi. En vrai, ah bah c'était l'autre skin à mon avis que j'ai. Ouais, oubliez pas les gars, la saison elle sortira demain. Yo Avoc, bienvenue à toi. Elle sortira demain la vidéo sur cette nouvelle saison. Je vous dirai un petit peu mon avis en début de vidéo. Je vous ferai une petite intro tranquille. Et une petite outro. Mais là, bah vous connaissez déjà mon avis en fait. Je vais pas vous le redire. De toute façon, vous. Rien qu'avec votre propre avis, vous pouvez déjà déterminer un petit peu si la saison est bien ou pas. Bon, Weather, je m'en bats les couilles. Vas-y, j'en ai marre de Pleasant Park là. Vas-y, on va aller. Je m'en fous. On va rush usine. On rush usine direct. On va voir s'il y a du monde. À mon avis, il y aura du monde, c'est sûr. Et là, c'est qui vient d'arriver, bienvenue à vous. C'est bon, tout le monde a découvert l'usine, personne ne vient. Hop, donne-moi une AK. Où est le coffre? Il est tout en haut. Excusez-moi, les gars, j'ai plus l'habitude de venir ici, hein. Ah, ça se fight bien comme il faut là-bas. À mon avis, ils ont du shield hein, pour se tirer autant de temps dessus. Vous voyez du shield, le truc que je n'ai pas là. Le truc qui peut te déterminer si tu vas gagner une game ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, il y avait bien un gars là.
Ah, je l'aurais pas. Ouais, pas, ils ont des pompes et tout là. Je vais me faire vraiment éclater. Hein. Ah, l'AK au corps à corps, je vais me faire vraiment, mais. Pff, je vais me faire fumer. Putain, il va l'avoir vraiment. Pff, j'allais te le dire, tu vois. En vrai, je pense que je vais beaucoup moins jouer à Fortnite, les gars. Ah, j'ai pas vu le pont bleu. Par contre, je vais vraiment beaucoup moins jouer à Fortnite, les gars. Je suis désolé. Je vais quand même essayer de vous sortir 3 vidéos par semaine, mais vraiment, à mon avis, il y en a certaines qui seront à contre-cœur. À moins qu'il y ait un bon jeu qui sorte. Hop. C'est un gros méca avec. Attendez, désolé, je lis le chat en fait. C'est un gros méca bien cancer qui vient faire son entrée sur Fortnite avec. Des changements de map assez assez merdiques. C'est pas que j'aime plus Fortnite, mais là dans l'état actuel de Fortnite, ouais, j'aime pas trop. Non. Et c'est le cas de beaucoup de youtubeurs, les gars. C'est juste qu'on vous le dit pas. Les youtubeurs, ils font toujours un grand sourire devant les caméras, ils disent « Oh, c'est trop bien, la nouvelle arme, blablabla », mais en soi, ils en pensent pas moins. C'est juste que vous faites un peu avoir. Après, il y en a qui disent vraiment que c'est de la merde. Comme par exemple, Doel, si c'est de la merde, il te le dira, tu vois. Et on retente cette maison. Et y'a un mec. Évidemment. Damn. Oh putain, elle me fait tellement ouvrir. Je me fais ouvrir. Vous savez quoi, on va prendre un... J'ai pas envie de répondre à votre questionnaire. Il m'aurait posé la question, qu'est-ce que vous pensez du méca? Ah là, j'aurais voté, ouais. Ouais, il mytho à mort, certains youtubeurs, regarde. Bon. Vas-y, je vais prendre un spawn assez safe. Là. Comme ça, j'ai le temps de looter, etc. En vrai, prêcheur, je pense qu'il va y avoir quand même des gens. Ils ont annoncé le retour de Tomato, mais... peut-être la semaine prochaine. Ça m'étonnerait. Peut-être Lazy Lagoon. Franchement, on va prendre un spawn safe. On va aller à Lazy. Minecraft est déjà mort. Bah, en fait, je suis pas du tout d'accord avec toi, Thomas. Je trouve que Minecraft était en train de bien mourir. Et depuis le retour de PewDiePie, etc., qui font des vidéos dessus, depuis plein de youtubeurs qui font des vidéos dessus, je trouve ça trop bien. Ça revient un peu.
Non, les gars, je ferai pas les passes de combat. Hein. Ça sert à rien d'aller gratter sur tous les chats de youtubeurs pour gratter un pass. Enfin... À part s'ils ont des passes de combat gratuits parce qu'ils ont été à la World Cup. Et là, forcément, ils en ont des gratuits, mais sinon, ça arrivera jamais, en fait. Ting, 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 ting. Alors, toi, tu vas au bateau ou pas? Ok, toi, tu vas là. En vrai, j'aime pas spécialement ce spawn. J'aime plutôt bien le bateau, mais pas ça. On va garder les boogies, les gars. Peut-être que j'aurai l'occasion de boogie un mec dans un mecha. Oh là là! Oh là là! Il y a zéro stuff! Les maisons ici, elles sont... vous avez 90% de meubles et 10% de loot, quoi. Même pas 10%, mais j'exagère. Il a qu'à... Y'a rien d'autre. Voilà. Ici j'ai déjà fait, peut-être qu'ici éventuellement. Oh putain. Et c'est vraiment les pires baraques, les gars. Y a pas un sous-sol ici à la base? Enfin, y a pas un truc. Je connais pas bien ce spot. On a encore un coffre, attention! Bon loup de sa mère. En vrai, si je vais là-bas, je vais me faire ouvrir parce que le mec sera full shield. Du coup, il y a encore les geysers ou pas? Attendez, je vais regarder. Je crois pas. J'ai pas l'impression d'en avoir vu. Eh ben bordel! J'y étais vraiment servi, hein! Non, y'a plus de geyser. C'est terminé! Ça se dégage. Je vais voir la map. Là voilà. Y'a rien qui a changé à part de style l'usine. Et quelques arbres là-bas. Voilà, c'est tout. En 3 secondes, vous avez fait le tour des changements. C'est fort calme ici. En même temps, j'ai dit que j'allais prendre un spawn safe, mais je savais pas que ça allait être aussi safe. Pour tout ce qui est setup, les gars, clavier, souris, etc., vous pouvez faire point d'exclamation clavier ou point d'exclamation souris ou ce que vous voulez. Logiquement, vous aurez le bot va vous donner exactement ce que j'ai. Bah, je peux pas faire danser un robot simplement parce que ma touche. Ma touche pour danser, enfin quoique je pourrais peut-être le faire comme ça. Ma touche pour danser, c'est pour sortir du robot. D'ailleurs, je vais mettre. Faudrait peut-être que je mette la touche. Autre part. Double pompe, y'a pas, les gars. D'ailleurs, j'ai même pas de pompe en fait. J'ai pas remarqué. On va aller à Dusty. Yes! Le gros changement de cette saison, c'est incroyable! C'est totalement faux.
Voyons voir. Oh, il y a un mec, je l'entends. Mais sachant que je n'ai pas de pompe, ça va être compliqué. Maintenant, j'ai la pompe. Il n'est pas rechargé. Il n'était pas rechargé ce pompe. Ok, putain, il avait des bons trucs lui hein. Il aurait pu prendre le temps de se soigner et tout, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Allez, je prends le snipe quand même. Oh là là. Ok. Vas-y, je vais quand même prendre la bougie là, tu sais quoi. Enfin quoi que. J'ai envie de troller un mec dans un méca, là. Prends la bougie. Hop. Parce que les mecs en méca, là, c'est bon, ça suffit. Alors, let's go salty, les gars. Il y a beaucoup de bordel ici. Bah, du coup, en fait, il n'y a plus de... On va beaucoup marcher, je pense, cette saison, les gars. Beaucoup moins de moyens de déplacement. Il n'y a plus les plateformes, plus les tunnels d'air. Par contre, vous avez des mechas. Yes. La grosse loose. Ils sont là. Là, je me tape un vieux fusil tactique, là. Fusil à pompe tactique. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire quoi maintenant, mon pote? Il va faire rien du tout. Je peux pas prendre le. C'est quoi? Hop. What? Ok, bah vous savez quoi? On va le prendre. Il est là, on va l'utiliser. Il y a un mec dans mon dos. Pardon, il est au-dessus. J'ai plus de balles. Oh, j'avais plus de balles. Mais quoi? Mais arrêtez. Putain, ça me rush H24 là. Ok, on recharge tout. Parce que j'ai même pas le temps de recharger. Conducteur, vas-y, venez là maintenant, venez. Où ça? En soi, je pourrais me soigner un petit peu, c'est ce qu'on va faire.
C'est ce qu'on va faire. Ah, j'arrête pas de me faire rusher hein, depuis tout à l'heure. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait une fenêtre ici. J'aurais pu me faire sniper, mais genre abusé. Ah, ok. Oh là là, c'est trop OP les gars. Franchement, j'étais invincible là, vous avez bien vu hein. Le mec a rien pu faire, c'était impossible. Oh damn. Il m'a vu, je crois. Quasiment certain qu'il m'a vu. Ok, c'est bon. Ah, c'est un robot, les gars. Vous pouvez pas comprendre. Franchement, vous vous posez n'importe quelle question, vous pouvez pas comprendre. Parce que moi non plus, je comprends pas. Ah mais en fait ils sont en train de se battre. T'as remarqué. On va aller les rusher. J'ai des feux de camp, hein. Ouais. Ok. Y'a un mec là-bas, mais je sais pas où exactement. Il me met bien là, le feu de camp. Où est-ce qu'il est ? 100% il est toujours là. J'aime pas ou pas ? Vas-y, on se casse. Ça sert à rien parce que je vais me faire détruire en backshoot et tout. Oh là là, en plus, ouais. En plus. Attendez, parce que là. Quoi ? C'est quoi cette blague là? Putain! Ça l'a même pas. Mais comment ça se fait que ça l'a même pas touché? Ça l'a même pas effleuré, ça a même pas touché le mecha. Oh là là! C'est quoi le thème de la saison? Je sais pas, y a pas vraiment de thème. C'est Transformers peut-être le thème? Non, sincèrement, je sais pas. Y a pas vraiment de thème, c'est retour au passé, mais. Ah bah oui. Hop. Nickel. Là on est full.
J'ai cru qu'il y avait un mec dans le buisson. Franchement, ce buisson là, il est pas suspect, les gars. Entre nous. Ce buisson là. Il est pas bizarre. Il me paraissait bizarre. Alors, je sais pas du tout d'où il me tirait dessus. C'est... Ça reste un mystère. On va faire le tour là. On va passer par là. Tranquille. Voyons voir. Oh, oh, ça tire à gauche. Ça tire à gauche où? C'est une autre question. Bon, je n'ai pas la réponse. Ok, je le vois. On va se caler ici, c'est très bien. Putain, on est en arène ou quoi? Tout le monde est dans sa box là. Moi j'ai pas le choix parce que je suis en sandwich. Non, anarchie, y a rien qui est revenu les gars, à part Dusty et l'usine. Même pas Tomato, même pas Grizzly, rien du tout. La anarchie, vous me demandez beaucoup là. Hein, là vous en demandez vraiment trop là. Je sais pas où sont les autres. Ils sont encore 4 devant moi. Il y en a un là derrière moi. Mais le reste, je pense qu'il y en avait un à gauche. C'est bizarre. On ne saura pas. Merci pour le don de 2€, le gamer, bienvenue à toi. What? J'ai cru qu'il allait construire direct. Ah, il saoule. Ah, ça, c'est pas moi. On va recharger tout. Je sais pas si le mec est toujours dans sa box là derrière. Au calme. Non, il est plus dans sa box. Je pense que je vais garder la SMG parce que à mon avis elle me servira. Le barrette, je suis pas sûr qu'il va me servir. On va garder le smoke, je pense. Vas-y, je vais prendre ça. Il me touche.
Ah, il est là. Ah, putain. Franchement. Ok, d'accord. En fait, il était pas réinitialisé. Si je meurs là-dessus, je suis vraiment une grosse merde. Ah, GG. Oh, je meurs là-dessus! Putain, en fait le mur, en fait il me paraissait correct. C'est ça que je me dis, je me suis raté. Ben non, je me suis pas raté, en fait il était pas réinitialisé. Toujours pas de top 1 sur cette saison. Dommage. Bah c'est pas que j'ai fait de la merde, c'est juste que j'ai pas fait gaffe que mon mur était pas était édité, mais je ne sais pas de où en fait. Je sais pas comment ça se fait qu'il était édité. Du coup je l'ai réinitialisé, mais c'était trop tard. J'ai perdu trop de PV. Let's go paradise. Le robot c'est de la merde du coup, ouais c'est grave de la merde. En fait non c'est trop fort, mais du coup c'est de la merde parce que c'est trop fort. Et ça casse encore tout le gameplay de... En fait, c'est chiant. C'est chiant parce que chaque fois, le gameplay il change sur Fortnite. Et ça casse tout le temps. Ça casse le skill gap, en fait. Il n'y a plus de skill à chaque fois. Ah, j'avais fait une porte. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Je sais pas, ils disent quoi les autres streamers, enfin si vous avez été sur d'autres streams. Ils disent quoi les autres streamers sur la saison? J'imagine que vous avez été sur d'autres streams. Hein. Vous me la faites pas, moi. De toute façon, je verrai bien ça tout à l'heure, mais... J'étais curieux de savoir leur avis. Michou adore, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. En même temps, Michou joue qu'en créatif, donc lui il s'en fout, tu vois. Il joue quasiment que en créatif. Bon, on va garder ça. Ok. Ouais, j'ai envie de voir la vie de Dowell. En fait, la vie de Dowell, il est bien parce qu'il est honnête, tu vois. Contrairement à certains autres youtubeurs. T'es à tête, tiens. Oh, attendez, oh, j'allais prendre quoi, là? Je crois qu'il a pas le choix d'adorer quand il est connu, j'avoue. Par Fortnite. J'avoue. C'est ça, le business, les gars. Vous faites croire... Enfin, ouais. Je vais pas en parler. Sifano, mais Sifano c'est pas un youtubeur. Pas un youtubeur Fortnite lui, non? Oh là, mais il avait un stuff lui! Des feux de dieu, mon pote! Incroyable! Y'a un mec là, on l'a vu. Thank you.
putain le bâtard. Je pensais qu'il avait pas de visu, mais en fait il avait de la visu. Mais putain. Ah GG. Il a mieux joué que moi. Les gens sont trop forts. J'ai changé de jeu moi. Il build trop bien. Alors là, non, pas du tout, Charizard. Hein. Daka, c'est une bonne AR. Elle a trop de bloom. C'est-à-dire qu'elle a trop de dispersion de balles. Donc c'est une bonne AR en début de game. Pour sniper des ennemis de loin aussi. Mais ça devient vite une mauvaise AR dans le sens où fin de game et mid game, t'as quand même besoin de spam, malheureusement. Voilà, c'est la méta. Et du coup, une AR comme une M4 ou une SCAR est beaucoup plus intéressante, pour le coup. Bon, où est-ce que je vais, là? Vas-y, on a pas encore drop au dépôt. Il va y avoir 1000 personnes pour 2 coffres, mais c'est pas grave. On y va. Passe de combat assez stylé pour répondre à ta question, Arsembo. La saison au niveau des changements de la map assez pourrie. Il y a l'usine et. L'usine, bah voilà, c'est cool, mais. C'est pas beaucoup de changements, du coup, pour le coup. Et. Et les passes de combat est cool, mais voilà. Franchement, sans plus. Enfin, vas-y, y a trop de monde, mais regarde-moi ça. Déjà, il y a des mecs qui vont choper. Ok, d'accord. Putain, vas-y. Oh, ça me pèle le cul. Y a pas une arme là-dedans? D'accord. Ok. Pff. Oh putain. Vas-y. Autant que je recommence parce que là, j'en ai pour 10 ans à marcher là. Go refaire un spawn. J'avais pas d'armes dans... Et franchement, je suis tombé sur le seul dépôt où il y avait que des grenades et des munitions. Il y a même pas un coffre, même pas une arme à terre, rien du tout. Tu penses jouer à d'autres jeux que Fortnite? Oui, mais pas encore sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, YouTube, les gars, c'est que... Comment vous expliquer? Pour monter en abonné sur YouTube, je vais vous donner une petite technique, hein. Mais tous les youtubeurs ont fait ça. Cyril, Amixem. Je sais pas si Cyril l'a fait. Mais bref. À part Link et Terracide en français, en francophone. Et Squeezie aussi qui a fait ça. Donc Squeezie, Link et Terracide ont fait du multigaming. Ils ont réussi à grandir comme ça. Mais c'était parmi les premiers youtubeurs. Amixem a grandi uniquement en faisant du Arma 3. Et moi en fait ce que je comptais faire, vu que j'aimais bien Fortnite à l'époque, hein, j'aime toujours Fortnite mais là ça commence quand même à bien faire. Je comptais faire du Fortnite jusqu'à ce que ça me saoule vraiment. Et ensuite je ferai un petit peu de multigaming FPS uniquement, j'avais pas envie de faire d'autres jeux, des jeux de simulation ou quoi, je m'en fous. Mais en gros voilà. GTA RP, ouais, mais il y a trop de gens qui jouent à ça encore. En fait, c'est une mode à chaque fois. Ça peut être intéressant, hein, mais faut voir.
Je vais aller à Megamall, il y a moins de monde. Ouais, il y aura du R6, il y aura du... Et franchement, ce sera pas avant 2020, mais vous aurez de tout. En fait, je vais faire des petites compiles. Ce sera pas toujours le cas. Hein. Mais il y aura souvent des petites compiles avec bah, tous les jeux que j'aurais joué la semaine, etc. Il y aura plusieurs jeux. Mais en vrai, Fortnite, petite overdose quand même. Hein. Surtout que là, il n'y a rien de concret. En fait, la saison passée, j'étais quand même hypé parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Mais cette saison, mec, c'est scandaleux. Ok. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des youtubeurs ne font que du Fortnite, c'est les vues, hein, les gars. Ça fait beaucoup de vues, Fortnite. Hein. Attendez. Il est où ce coffre, là? Oh, d'accord, excusez-moi. Je n'ai pas de pompe. Oh, mais non, tu vas pas camper. Tu vas pas faire ça. C'est pas vrai, mec. C'est une... Non, mais non, gros, c'est une blague. En vrai, je suis un peu saoulé, les gars. Faut pas vous mentir. T'es niveau combien sur R6? Avant, j'étais joueur semi-pro, donc. Mais j'ai arrêté depuis quelques mois. Et j'étais tout le temps diamant. Forcément. Maintenant, j'ai plus. J'ai arrêté, donc je suis. Je suis plus ranked. Tu comptes un jour avoir une petite team entre potes? Peut-être. Certainement, mais pas tout de suite. Ah, peut-être que je vais faire de l'arène. Ouais. Peut-être que je vais faire de l'arène. Hein. Enfin, ça dépend parce que là je joue mal depuis tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai méga chaud. En vrai, dès que je ferai un top 1, à mon avis, j'arrêterai. Parce que je suis un peu dégoûté. Comme ça, je commencerai à faire la vidéo pour demain. Si tu devais résumer les nouveautés, le mecha. Dusty, l'usine, 3 arbres, et voilà! Je viens de te résumer les nouveautés! C'est pas incroyable? On va aller là-bas, les gars. On va aller là-bas. Let's go. Y a pas de coffre comme d'habitude. Est-ce que je suis surpris? Non.
Hop là. Oh là là. Eh, franchement les gars, depuis le début de ce stream, est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment zéro luck? J'ai vraiment zéro luck. Je vous le dis. T'as oublié de dire qu'il y a moins de gravité à Loot Lake. Ouais, c'est vrai. C'est un détail très très important. Hop là, on va prendre les grenades, c'est bien cancer. Merci Comedy Denis. Oh, dis donc. Dis donc, dis donc. Ok. Donne-moi ça. Encore un minigun. Ouais, c'est abusé, mec. J'en trouve tout le temps. J'ai l'impression que je n'ai que ça dans mon inventaire. D'ailleurs, ça dégage. Et on va aller rusher les mecs. Je suis perdu, mec. Hein. Je suis pas toi, mais moi je suis perdu là. Putain. Ah putain, il est mort en fait. J'ai plus de constru. Je sais pas si je me fais streamhack, je crois pas. Pourquoi je fais jamais de vidéo en créatif? Je trouve pas ça drôle en fait. Je fais des death runs, à la limite ça je trouve ça, ça va. Mais en soi, prop hunt et tout, entre potes c'est cool, mais tu fais une ou deux games et puis t'es saoulé en fait. Ah, je sais plus où aller les gars. Franchement, je suis désespéré. Bien vu, Colombinerie. Je vais pas faire de l'arène aujourd'hui les gars, parce que je... Vous savez, pour faire de l'arène et pour tryhard un peu, il faut avoir le mood. Là, j'ai pas trop de mood. Je me fais laver depuis tout à l'heure. Et en plus de ça... la saison 10 me plaît pas trop. Donc j'ai pas trop le mood. Mais une autre fois. Bah je peux pas faire une pause en fait. Brendan, simplement parce que il faut que je tourne la vidéo. Enfin pas que je tourne, mais il faut que je fasse la vidéo pour demain. Et du coup j'aurai pas le temps de refaire un stream plus tard. En vrai, qu'est-ce qui vous plairait? Peut-être que je le ferai à son âge. Qu'est-ce qui vous plairait comme autre jeu sur la chaîne? À voir. Mais jeu quand même abordable pour YouTube. Hein. Me proposez pas autobus simulateur, genre ce genre de truc. Hein. Parce que il y en a assez grave. Hein. Il y en a, ils m'ont déjà proposé. Ouais, c'est du FIFA. Ouais, bah non. Un jeu, un FPS, avoir un bon truc ou ce genre de truc. CSGO, non, parce que ça fonctionne pas sur YouTube, les gars. Faudrait un truc qui fonctionne quand même sur YouTube. Et qui soit quand même agréable à jouer. Alors, du GTA, il y a beaucoup de gens qui font du GTA ces derniers temps. Tout le monde fait du GTA depuis qu'il y a le GTA RP. Apex, ça viendra certainement un jour. J'en ai déjà fait, mais... Il y a le nouveau Call of
qui va sortir. Peut-être que je vous ferai une ou deux vidéos dessus, je sais pas. S'il est vraiment bien, je jouerai certainement dessus. Et je sais dans tous les cas que je vais perdre des abonnés et tout. Si jamais je joue à d'autres jeux. Oh, c'est pas du Fortnite! Ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. PUBG. Pas trop fan de système PUBG. Enfin, en tout cas, de la mécanique PUBG, je suis pas fan. Alors. Ok, je vois plus ou moins les jeux que vous voulez. Je vois plus ou moins ce que vous attendez. Vas-y, je vais jouer le mecha là comme un gros gros cancer. Et on a deux bonnes armes là, mais qu'est-ce que ça fout là? Let's go! Zelda, mais vous êtes fous les gars, je vous ai dit des jeux qui fonctionnent sur YouTube. Vous pondez des trucs. Je vois plus ou moins la tranche de jeu. J'ai vu du Overwatch, j'ai vu du Rainbow Six. Overwatch, c'est plus en équipe, je dirais. Rainbow Six aussi, mais il y a moyen de faire des trucs. Apex, le nouveau code qui va sortir, ça pourrait être cool. On verra bien. Oh là, c'est tellement cancer. Ah, et du GTA aussi. Ouais. Ah, GTA, il y a moyen aussi que ça se fasse. On verra. Roblox, enfin, ceux qui jouent à Roblox, les gars, ils sont sponsorisés et ils touchent pas ce film. Hein. Au pire que des FPS, ouais, mais c'est le but, hein. Je veux pas jouer à autre chose que des FPS en fait. Genre GTA c'est un TPS, mais bon. Vous m'avez compris. Alors y'a des gens là ou pas? Venez là. Je vous recte la gueule moi avec ce truc. Putain, en duo ça doit être monstrueux ça. Tu m'échapperas pas toi. C'est mort. Oh, mecha contre mecha! Où est-ce qu'il est? J'ai un mec là. Oh, ça chute tellement. Mais quoi? Mais non, c'est mon kill. Oh, j'ai pris tellement de temps. Putain. J'ai pris tellement de temps! Et tu me piques mon kill! C'est. Oh là là! Scandaleux! Scandaleux! Tadada! K!
Karma d'avoir joué Mecha, exactement. Mais regardez-le, putain. Je vais essayer de l'avoir, hein. Putain, fais chier. Ok. Sorry, my friend. Ah, il était full de full mini shield lui aussi. Ouais, il a 1000 HP. Ah, j'ai vu ton message, Céline. Merci à toi. Même si c'est, ça a été supprimé par Nightbot. Je vais dans le sens opposé de la zone ou je rêve là? Putain, il était full mat et tout. Je suis trop bien. Tu penses quoi de la saison? Assez à chier. Je m'attendais à des changements beaucoup plus conséquents que ça. Mais les changements arriveront plus tard dans la saison. Ouais, je suis quand même déçu. N'empêche, le robot il est tellement cheaté, je suis d'accord. Bah, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Le mec qui dit que c'est pas cheaté... Il a jamais joué le robot. Hein. Ou il s'est jamais fight contre un robot alors. C'est la seule explication que je trouve. Putain. Putain, il a bougé au dernier moment, merde. Ah putain. Prends ça. Ah, il s'est barré. Je comprends pas, il aurait pu m'avoir. Oh ! Dommage. Il tire avec quoi lui ? Chaque fois j'ai peur qu'il y ait un mec qui me tire dessus. Oh là là. Je l'aurais pas, je parie. Même si je vise au bon endroit, il y aura l'arbre. Ah bah non. Tant pour moi. Je pense qu'il est descendu, quoique. Putain, c'est encore quelqu'un d'autre qui m'a tiré dessus. Ok. Je vais mourir. Et I'm dead. Ouais, je te mets un petit coup de pompe pour le fun. C'est la saison du plagiat. Pourquoi?
Sur Overwatch, bah tu sais, un mecha, ça y est sur beaucoup de jeux. Hein. Avant Overwatch, il y avait déjà des mechas dans plein d'endroits. Enfin, plein d'autres jeux en fait. T'es allé dans la météorite? Ouais. Ouais, mais c'est. C'est un peu. Enfin. En fait, si, ça va. C'est quand même un beau spawn, mais bon. Dispo pour jouer vers 15h30. J'aurais déjà terminé le stream, mec. Hein. Là, je suis sur le bord de la crise de nerfs avec cette saison. Ce sera déjà terminé. Donc non. À mon avis, je serai déjà en montage vidéo ou sur un autre jeu. Mais pas Fortnite. Voyons voir. Retour à prêcheur ou pas? Retour à prêcheur. Bah déjà parce que j'arrive pas à faire top 1 Legendary. Mais pas seulement. C'est parce que la saison m'a vachement déçu. Et là je suis uniquement en train de streamer pour vous. Et en soi je prends zéro plaisir actuellement. Je m'attendais vraiment à un truc incroyable. On nous tease des trucs. On lui dit ouais ce sera. Chaque saison les gars j'entends la même phrase. Ce sera la meilleure saison 100% à la prochaine saison. Ce sera ça. Ah bah non. Bah non en fait. Alors si je prends ce coffre, je vais prendre masse dégâts de chute. Oh là là. Yes. Vas-y recharge, fais-toi plaisir. Et alors, on s'est pas visé là? On a plus beaucoup de mun, hein? T'avais un pompe depuis le début! Ah, ok, autant pour moi! Bon, les gars, à mon avis, je vais arrêter ici. En vrai, je suis un peu saoulé. Je vais vous dire mon avis dans la vidéo qui sortira demain. Et je ne ferai pas de top 1 aujourd'hui. On en fera une. On en fera un certainement dimanche. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle saison. Moi, pas du tout. Vous verrez mon avis. Et on n'en parle plus. Bon. Ce qu'on va faire, c'est ça. Autre chose, les gars. Sachez que à partir de 2020, je vous le répète maintenant, mais de toute façon, vous serez au courant à ce moment-là. À partir de 2020, il y aura des streams Twitch sur tous les jeux, que ce soit Apex, que ce soit COD, que ce soit Fortnite. Certainement un peu moins de Fortnite, parce qu'on en fait une overdose, même si tous les youtubeurs ne vous le disent pas et qu'ils font un grand sourire devant vous. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle saison extrêmement dégueu, avec très peu de changements. Amusez-vous bien, en tout cas, sur Fortnite, vous verrez bien si c'est bien ou pas. Je pense pas que vous allez kiffer. Je pense même pas du tout, mais vous verrez bien. Peut-être que vous allez kiffer le méta, hein. Vous verrez bien. Mais bon, je vous souhaite une bonne journée, du coup. Passez de bonnes vacances, parce qu'il reste encore un mois de vacances, les gars. Donc, profitez bien des vacances. Et on se retrouve, du coup, demain pour la vidéo. Ce sera, à mon avis, tiré du live. Et encore, je sais pas. Est-ce que je tourne une nouvelle vidéo? Je sais pas. On verra bien. Bref, bonne journée à vous et à demain. Ciao, ciao tout le monde.